mommy. Je suis choquée. Attendez, attends, je reviens de mes émotions. Je reviens, s'il vous plaît. Mommy, oh. Toi, mommy, oh. Il doit être très loin. Il y a des noms même qui vont tomber. Le pays est gâté. Non, hein. Le pays est gâté. Ça veut dire que cette histoire-là, il y a des gens même qui sont bien, bien habillés, bien responsables. Quand ils vont te dire que cette personne est dedans, tu es découragé. Le pays est gâté, hein. Monsieur, c'est nous qui sommes en bas, on est en bas, on sait où on en est. Hein. Le pays est gâté, hein. Le monde est gâté. Faites ça entre vous les adultes, il n'y a pas de soucis. Entre vous les adultes, il n'y a pas de problème. Mais laissez les enfants des gens grandir. Hein? Vous empêchez, vous anéantissez les enfants des gens, c'est pas normal. C'est pas bien. Pour des miettes. Ah, c'est dommage. Franchement, en tout cas, nous on a avec ma dommage. On a reçu des photos, wow. Mais laisse tomber. Tu as vu ça? Non, oui, franchement, mais bon. Allô. Je suis dédié. Tu vous as reçu les photos, hein? Ouais. Ah. Mais ça là, ça là, on peut pas dire ça là. C'est lourd. Ouais. Moi, je dis quand il bégaye, c'est trop lourd, même chien. Ah. Mais ça, quand ça fait peur comme ça, vous serez obligé d'abandonner. Oui, mais on abandonne des enfants qui souffrent. Mais c'est ça, je suis en train de dire. Je suis en train de dire une chose. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est un peut-être que toi-même, peut-être que vous ne vous attendez pas aux noms qui sont en train d'être sortis. Exactement. Tu comprends? Pourtant, c'est des gens peut-être qui sont aussi puissants. Tu comprends ce que je veux dire? Quand c'est comme ça, ça vous met froid au dos. Et puis bon, après, les enfants, ça va être compliqué. Parce que si c'est des gens qui sont... Aïe. J'en suis de son compte, pas. Aïe. Ok, je suis brillant. Brillant seulement. Pourquoi la préparation? Bonjour, la fille. Bonjour, la fille. Bonjour, Lalia. Excusez-moi. La manière vous êtes à parler que c'est fort, c'est dur. Donc, vous allez laisser tomber. Non, 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 non. Non, tu as tombé seul. On va abandonner, mais. Si vous êtes à notre place, que vous voyez les photos que les gens nous envoient, peut-être que vous serez à notre place, quoi. Vous serez choqué. On n'a pas abandonné le temps. Ok. En fait, le problème, excuse-moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous, on est là, vous. Nous, on est en bas. C'est vous. Quand vous parlez. Maintenant, quand vous-même, quand on compte sur vous, on prie pour vous, on fait tout pour que tout ça, ça cesse. Si vous-même, vous dites que vous avez peur, c'est ceci. Nous aussi, on est là, on fait comment? On devient faible. Nous-mêmes aussi, on a peur pour vous. On avait déjà peur pour vous. Donc, si vous-même, vous avez peur, maintenant, c'est que c'est chaud. Ah, si vous maintenant que vous devez parler, nous on est là, on va vous soutenir, on va prier pour vous, pour que tout ça s'arrête. Si maintenant vous montez, vous venez dire, yes, c'est sûr. Comment il parle de lui? Ça nous a fait bu. Non, la lionne, c'est une façon de parler, hein, je pense pas que. Voilà, c'est une. Ah, voilà, oui. C'est une façon de parler. Ça dit que c'est quelque chose de grave, mais oui, parce que c'est des choses qu'elle ne s'attendait pas à voir, au fait. Voilà. Ah, moi, il parle pas spirituellement. Il parle même chant de. Au fait, il est là. Je vais t'expliquer. Il y a des gens où. Bien sûr. Ok, d'accord. Elle n'est pas là. Hein. Attendez, je reviens de mes émotions. Justice, vas-y. Non, il voulait rectifier quelque chose, quoi. Ouais, ok, allez-y, c'est Justice ou Jean-Brice? Jean-Brice, c'est Jean-Brice. Son nom, là, c'est Tonton Alain. C'est pas ça qu'il est connu. Comme tu as mis affaire Tonton Alain. C'est Tonton Alain. Merci, c'est ce que je voulais rectifier. Voilà, c'est Tonton Alain. C'est pas ça qu'il est connu. Oui, on le connaît comme Tonton Alain. Allô? Oui, bonjour, l'heure de Dieu. Allez-y, madame. Bonjour. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que la Lionne a dit. Et moi, je proposerais que s'il y a quelque chose, même si ça intrigue n'importe comment, que la mère Glaga en une bosse avec vous influe et vous dites. Parce que, vous savez, ce sont des enfants. Bon, pas tout le monde n'est pas enfant, mais ce sont des gens qui sont déjà traumatisés. Si ces gens-là, tout leur espoir-là, c'est sur vous, hein. Si la mère Glaga montait, dit, oh, je peux pas, ça fait peur, vous voyez, ça décourage. Non, l'heure de Dieu, elle n'a pas dit quand on arrête le combat. Elle a dit, il y a des personnes. Sachez que ce qu'on voit là. Attendez.
ce sont les victimes même qui nous envoient ça. Donc calmez-vous. Les victimes même. Alors, Flim. Oui, Glagla. Ce sont les victimes même qui envoient, ma chérie. Il faut te calmer. On n'abandonne rien ici. Même si c'est nos propres maris, même si on est dedans, les... Mais elle dit que, qu'est-ce qui va décourager qui? Parce que j'ai dit que c'est lourd. Oui, ça c'est un faux petit qui va témoigner. Non, Glagla, excuse-moi, ma soeur. Tant qu'elle est quelqu'un au Tiloum, quand qu'elle est à Tio, mais moi, yo, quand mon frère soit, j'ai mon assez, j'ai été découragé. Parce que vous-même, quand on compte sur vous, et puis, il y a des enfants. Non, en fait, excuse-moi. Oui, des... Attends, qui vous a dit qu'on va laisser le combat? Non, on a pas dit que c'est un peu plus lourd. Vous avez fait de quoi? Est-ce qu'on a déjà abandonné quelque chose ici? Ok, ça nous rassure, en tout cas. Ça rassure. Enfin, tu peux dire à ton panel que depuis matin, il n'y a pas mangé. Donc, tout le monde a mal à la tête. Vous connaissez mon affaire de manger. Et puis, les 16 heures. Vous aussi. Parlez doucement, Chocobissé, quand vous parlez. Chocobissé, Chocobissé. Non, pardon. Parlez comme les petites filles blanches. Vous me donnez les migraines. En fait, moi, on compte sur vous, hein, Glagla. La mère Glagla, on compte sur vous. Hein. La partie, on vous fait confiance. Hein. Vous qui les comptez sur moi là-même depuis le matin, je suis à 324 pièces. Arrêtez de compter sur moi. Yako. Il est fin. Yako. Il joue de foot aussi. Hein. Attends, je vais charger ma carte. Viens vous faire des pièces. C'est bon, en fait, c'est bon. Je dis, j'ai faim. Quand il y a vu des pièces, j'ai dit, influenceur, c'est gâté. Oh, j'ai la chair de poule. Glagla, tu as envoyé un seul nom. Il faut envoyer tous les noms là. Moi, c'est les noms. Je ne peux pas t'envoyer tous les noms, influenceur. Toi-même, tu deviens Jairi depuis un moment donné. T'es remarqué. On voit tous les noms. Le trop beau bateau. Tu te promènes à aller les électrons libres. Tu deviens Baguato. Tu te promènes que tu deviens pour bateau. Eh oui, bon, monsieur, les temps libres. Monsieur, bonjour. Il dit. Glagla. Glagla, tout là, n'a pas été laissé de. Si on a besoin. Là, tout là, finit pas. C'est la Tamira qui m'a gassé. Il est vaincu. Qui a fait ça? Capucine. Capucine, même, des fois, même, tu dors comme ça, tu penses même pas à elle, et puis, bam, elle réapparaît. Capucine. On peut faire ça. Congo, ça. Et vous aimez qu'on crie sur vous. Oh. Mais libérez, loup, je ne peux pas garder dans ma gorge. Influenceur. On dit, Seigneur, les enfants de Côte d'Ivoire n'ont pas d'avenir. Comment des vieilles personnes comme ça peuvent faire ça à ces enfants-là? Seigneur. Il y a les femmes dedans. J'ai dit, il y a tout le monde dedans. C'est réseau. On voit la liste. On voit le nom. C'est réseau. C'est réseau. Mais il y a longtemps qu'on sait que c'est réseau. On veut les noms. Donc les mamans là aussi vont abuser des enfants. C'est réseau de personnes qui font des pratiques occultes, qui se servent des enfants. Il y a trafic d'organes. Il y a tout dedans. Cherchons le petit qui est soi-disant parti au Canada, là, cherchons-le. Je suis en train de chercher. J'ai lancé la lettre. On m'a envoyé son nom. Mais on est sur panel. On va se parler. Vous inbox. Cadet, là. Okay. Non, non. Mon coiffeur de Xavier, il va vous muter. Tout ce qui est Xavier, là, ça va muter. On a trouvé, on m'a envoyé son nom, donc je veux savoir. J'ai envoyé des gens pour voir à sa dernière position pour voir ses parents, pour voir si on a un contact avec ses parents. Quand j'aurai ça, j'aurai la paix ce soir parce que c'est pas une petite affaire. Il y a trafic humain, il y a trafic d'organes, il y a tout dedans. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les maisons inachevées là. En fait, c'est pas par hasard qu'ils vont là-bas. C'est pour faire des choses. C'est parce que les enfants même qui sont sortis là-bas vivants sont des enfants qui ont des étoiles brillantes. C'est des enfants que Dieu voulait sauver. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est dans une villa, quelqu'un qui soi-disant vit dans une maison connue, villa, réputée, envoie les gens dans maison inachevée, si ce n'est pas pour aller les achever? Que Dieu protège les enfants de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est gâtée. Côte d'Ivoire, Yako. Ça me regarde. On ne peut pas donner son nom. C'est ça. Voilà aussi, vous aussi votre truc. Donnez le nom. Envoyez les preuves. Donnez, on va voir. On ne peut pas donner son nom.
On est une grande équipe. Voilà. Le nom que j'ai eu là, j'attends le nom de famille qui va avec. Quand j'aurai le nom de famille qui va avec, il y a une dame. Voilà. Dieu, afin de protection, c'est Dieu qui me protège. Depuis longtemps, moi, je cherche à casser tous les papous. C'est oui, c'est Dieu qui me protège. Non, vous montez ce panel, vous parlez en même temps, direct, vous êtes dans cour commune. Ton micro. Comment elle s'appelle, ma chérie, qui vient de commenter. Je vais rentrer dans ton inbox tout à l'heure. Je vais chercher le nom. Je vais chercher le nom. On n'a pas de problème. Je vais chercher le nom de la personne. Je vais chercher le nom de famille du petit et puis je vais envoyer ça à quelqu'un qui était tout à l'heure sur le panel. Elle a la possibilité et le truc, le pouvoir de me dire, de faire les recherches qu'on a besoin. Parce qu'il faut qu'on trouve les traces de ce petit-là. L'affaire est trop sale. Et effectivement, ce gars-là sera arrêté plus vite que Cécilia. Parce que les gens qui sont derrière lui n'ont jamais accepté d'être mêlé à ce que nous, ce qu'on voit là. Les noms que j'ai entendus avant, jamais accepté d'être mêlé à lui. Jamais. Lui sera très vite éteint. Ça, je peux vous faire la promesse. Je vous écris. Malik Yeo, ouvre ton micro s'il te plaît. Ouais, ouais, je suis là. Vas-y, parle. Non, j'ai le cadet en question que vous cherchez qui est au Canada là. Lui, c'est la femme de tonton Alain depuis longtemps. Hein. Et c'est sa goût même. Il ne pense pas que lui va venir témoigner à ceci. Il s'appelle cadet comment? Attendez, je me rappelle de son nom de famille. Hein. Attendez, je cherche. Alves, pardon, faut envoyer un message. Je parle pas de celui qui est en Turquie, là. Je parle de celui qui est au Canada. Oui, c'est de lui. Par exemple, son ami, c'est son ami qui est truc, là. L'autre, là. L'autre qui ils ont grève pour envoyer son grand frère en Turquie, là. C'est son ami. Ils étaient deux, comme ça. Même taille, même forme, à marcher avec Toto Alain. Qu'il est qui a peut-être, mais c'est Toto lui-même qui l'a envoyé au Canada parce qu'il voyageait déjà avec les deux, Kader et Dani. C'est Kader là, il me rappelle plutôt de son nom, il me rappelle plus de son nom de famille parce que ça fait déjà l'autre. Mais il a trouvé son nom de famille. Il a envoyé un message à un de mes amis, il va me dire son nom de famille. Alves. À la fille de Jésus qui te pose une question en commentaire. Bonsoir. Malik Yeo. Oui. Il y a la fille de Jésus qui te pose une question en bas. J'ai quoi. Non, il n'habite plus à la pharmacie Matrobin. Il a déménagé. Maintenant, il habite à la cité. La cité diplomatique, je ne sais pas quoi là. Vers le truc, la geste aussi. Je ne sais pas si vous connaissez. Bonjour, allez-vous. Voilà, ouais, cité diaspora, c'est ça, cité diaspora. Voilà. Non, on N'apprenez pas, j'ai de vous. Le bonsoir. Il va t'en croire, mais il est chaud. Le bonsoir, le monde.
attends, c'est moi, ça me semble bien. Je dis, on dirait que j'ai pas de modo. Franchement. Fiancée, t'as pas de modo parce que là, c'est gens qui vont te faire n'importe quoi. Bah oui, elles sont occupées. Ah, d'accord. Elles sont au travail. Les gens montent avec les voix ou les micros aux États-Unis. Ah, ouais. Elles sont plus réactives le soir. À partir de 18h là. D'accord. Ajoute quelqu'un qui est en France alors, qui est disponible vers, voilà, de 13h à 16h, comme ça peut-être. Oui, oui, il y a Kanidia, pardon, faut être réactive, mon cœur. Elle est nouvelle, elle est tout le temps avec moi, mais elle ne me maîtrise pas tellement. Mais c'est au fur et à mesure. Ajoute-moi alors, comme moi je suis là de temps en temps, voilà. Même si je ne monte pas, si je suis au marché, je peux quand même gérer pour toi. D'accord. Moi, tu peux m'ajouter, hein, parce que là, je suis disponible. Tu veux. Ah, voilà, Clara aussi. Voilà, tu peux m'ajouter si tu veux. Ça va? Alors, vous m'entendez? Oui, le monde de rose est fait, c'est bon. Coucou, Influx. Coucou, Frida, ça va, on dit quoi? Bonjour tout le monde. Il faut remettre mon poste de modo. Hi. Ah, mais on ne te voyait plus, donc moi j'ai enlevé. J'ai fait une mise à jour sur le modo. Ah, d'accord, y'a-t-il de... Depuis la fête Tibé, là, je pense que c'est là que j'ai enlevé. J'ai enlevé tout le monde. Ah, non, il n'avait pas remarqué. À ce moment-là, il n'était pas trop ouais, ouais, là. Non, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Influx. Ah, Black, elle a mon amour, on dit quoi, Black? Bonjour, mon bébé. Tu sais qu'on ne te voit pas en live, non? Ouais, je sais que je suis signalée. J'ai dû passer par le live que tu as partagé pour rentrer. Hein. C'était difficile. Je te cherche, je cherche là partout. Ah oui, parce que les gens ne mettent pas de rose, ils ne partagent pas. C'est bizarre, quoi. Mais vous, là, vous êtes sérieux, on est dans un combat comme ça. Tapotez, partagez, mettez les objectifs. Haï, Adama, on peut faire ça? Gregla est où? Bonjour, maman. Bonjour ma puce. Comment tu vas, ta santé, y a du mieux? Non, j'ai faim. Tu as faim? Attendez, j'ai un appel, je reviens. Désolé, hein, désolé. Non, vas-y, vas-y, maman. Tapotez, partagez, prenez les objectifs. Mettez des roses au moins. Une rose, deux roses, sécurisez les lives. Vous savez, on est dans un combat, on sera signalé à tout moment. Faut que vous sécurisez le live. Nous, notre objectif, c'est de vous montrer les preuves, de faire éclater la vérité. Vous aussi, sécurisez en bas. Sécurisez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, sécurisez. Merci beaucoup, Rayon. Merci, Marie-Ké. Vous êtes des anges. Merci beaucoup. Tapotez, partagez, sécurisez le live, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Faites descendre le bouffon. Oh, lui, là même, il a qu'à problème. Bloquez-le. Franchement, tu penses qu'on est dans un zoo ici? Vous pensez qu'on est aux eaux ici ou bien tu te crois au terrain de jeu de je ne sais qui? Crabe. Merci beaucoup, la Lionne. Merci beaucoup, Rayon. Tapoter, partager. Hein? On est à combien? Allons à 500 cas de tapotage quand même. Tapoter, s'il vous plaît. Yeah! Même si c'est lundi. Adama.
Tapotez, tapotez. Allons à 500K de tapotage, s'il vous plaît. Merci. Les tapotages montent quand même. Allons à 500K. Tapotez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Hein? Tonton Aline, on peut faire ça. Et à Narine, maintenant, sur nous. C'est les vilaines personnes qui font toutes les vilaines choses, hein. Bouffon, tu ramènes ta demande encore. Il a bloqué ton âme, mais c'est pas dans les bêtises. Ma crucifale. Tapoter, 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 partager, tapoter, partager. C'est calme, là, nous. Mon bébé Black, comment tu vas? Allô? Black ou? Allô, ça, elle est en ligne là. Oh, ça va, influx? Ouais, ça va. Ça progresse ou bien? Ah, ça c'est progresse. Toujours, hein. C'est toujours bizarre. Ça progresse, on est choqués. Ok. Autre chose. Autre chose. Bon, moi je vous attends. Hein. Moi je vous attends seulement. Parce que ce que Tata Glagla a dit là aussi, c'est vrai. Des... Et tant de réfléchir. Mais Tata, Tata, Tata. Ce que Tata Glagla a dit là, c'est parfaitement vrai. Mais je ne comprends pas. Les influenceurs qui étaient en train de crier sur Cécilia Talmira là, pourquoi ils ne font pas la lutte aussi contre Tonton Allais? Tonton Allais est pire. Non. En fait, Tonton Allais, c'est pas que. Bon, il est pareil que Cécilia, mais dans un autre. Contexte, c'est-à-dire, lui, pour lui, là, on ne sait pas trop si on va dire pédocriminel ou bien criminel, tout simplement. Parce qu'il y a plusieurs générations et en même temps, voilà. Bon. Mais lui, pour lui, là, bon, c'est pas ça son mot, il fait, vu que lui-même, c'est un voleur de base, donc là. Bon, on ne va pas faire combat de voleurs aussi. Tu vois. Ça, c'est la place des gendarmes. Moi, pour moi, juste à présent, pour moi, ce que Tata Glagla dit, c'est ça. En fait. On ne sait pas dans quelle case réellement fait le tout. Bon, on observe tout le moment, on attend. Nous, allons, on va acheter du pain. Voilà. C'est ça, en fait. J'attends des preuves concrètes dessus. Surtout, j'attends qu'une seule petite victime, une seule victime de 17 ou 18 ans même, qui dit, qui affirme. T'es fait abuser de ce monsieur-là, là, ça va péter partout. C'est ça, en fait. T'inquiète, Tata, tu vas trouver ça tout de suite, là. T'inquiète. T'inquiète pas, Tata, tu as trouvé ça avant que tu aies fini ton direct, forcément. Moi aussi, nous recherchons ce sport. Mais en tout cas, forcément. Ok, il n'y a pas de problème. Il a envoyé un message. Il a envoyé un message. Mes amis, ils arrivent. Ils sont en train de venir. Il y a d'autres, ils ont déjà touché des dents, tout ça. T'inquiète. Coucou, mon bébé. Coucou, mon amour. Ça va, ma puce? Ça va. Je viens de finir le boulot. Là, je vais chercher les enfants. C'est bien. Hein? Il te dit, j'aimerais être à ta place comme ça. Hein? Ah bon? Franchement, dit, j'aime pas le lundi, quoi. Et pour moi, c'est trop avantageux parce que l'école est juste à côté du boulot et la maison, c'est ça. Moi aussi, je suis pas loin de la maison, mais franchement, je déteste les lundis. Je sais pas pourquoi. Bon. Sinon, vous avez pris le petit déjeuner, vous avez mangé. Vous avez mangé un peu, vous avez eu le temps de manger un peu. Peut-être un flux à manger. La mère dit qu'elle n'a pas mangé, qu'elle a fait. Parce qu'un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Tu connais son affaire de manger, non? En tout cas, surtout nous les gens minces là, quand on mange pas, on devient très nerveux. Je te dis, hein,
Je t'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait ça même à nos destins? Je t'ai dit. Là, au boulot, là, au départ, le matin, comme j'avais pris le petit déjeuner, j'étais toute seule. Donc, quand ils ont dit, quand on est rentré dans 15 heures, là, mon ventre a commencé à faire grou, grou, faut me voir. J'ai serré ma mine en même temps. Mes collègues me disent, Niabe, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, j'ai faim. ne me parlez pas trop. Ne me parlez pas trop. Je sens que je risque de péter un câble. Laissez-moi tranquille. Je comptais les minutes maintenant. 15h45, Dakar me dit, je vais partir manger. Je t'ai dit. Attends, la dame, est-ce qu'elle a parlé même? Pélagie, vous avez déjà parlé? Je croyais bien de monter. Pélagie. Parce que si c'est vrai, je pense qu'il n'y a pas l'utilité d'être sur un panel si on ne parle pas, quoi, au fait. Pélagie. Santos. Les gens qui sont en bas, hein. Si quelqu'un ne parle pas, ils vont faire monter. Mm-hmm. Santos. Santos. Vandalisation. 1er janvier. Aïe. Donc, chacun monde pouvait se bloquer en haut. Si là, si vous voulez payer le loyer de la chambre, là, mettez les roses, hein, prenez les objectifs. Hein, on ne monte pas comme ça pour choses. Hein. S'il vous plaît, je suis désolé, de faire de moi descendre, je suis un peu occupé, s'il vous plaît. Mm-hmm. Ok. Vandalisation. Allez, ça, on dit quoi? Tu vas bien? Pour prier, toi. Allez, on cousu. Oui, actuellement, mon caleçon, il est cousu. C'est pas déchiré, c'est déchiré. Quand c'est déchiré, là, vous entendez fort ma voix, non? Non, la dernière fois, là, c'était déchiré sur le live de Serge avec. Oui, j'ai pris mon autre côte pour monter. Je vais prendre l'autre côte là, déchirer là. C'est pour crier. Voilà, c'est gâté. On provoque ta colère là. Moi-même là, je suis descendue après quand c'est. Quand on est descendu, moi je suis partie parce que après, je voyais qu'il y avait l'injustice au fait. Il y avait un peu d'injustice et je suis descendue. Bon, Serge. Oui, c'est Serge, non? Oui. Ben oui, c'est ça. Serge, lui, c'est sa ligne éditoriale. Vous savez que c'est sa gamme. Mais dit, hein. En fait, il fait ça pour nous faire parler. Ouais. Il fait ça pour faire chauffer son live. Salut. Que ça même? Pure cacao. Pure cacao. Toi, on dirait que tu vas aller lager avec les requins dans le lac au sous là-bas. Hein. Pure cacao. Vandalisation. On joue pas le boulot ici. Hein. Vous pensez qu'on est là pour regarder la télé ou bien? On joue pas, Laetitia. On joue pas le combat. Laetitia. La mère est là. Attends. Mamoun, tu es en privé. C'est un fiancé qui peut te faire monter. Un flux, tu es là, il faut prendre ma monnaie là en bas. Un flux, tu es là, mon bébé. Il faut prendre ma monnaie là en bas. Philou dit qu'il est là. Philou qui disait que, non, que tonton, tante Aline est dangereux là. C'est un mort puissant. Comme il est connu sur le nom de Tonton Alain, là même, c'est à cause de ça. C'est dans quelle histoire de Tonton Alain, sorcier qu'on appelle Tonton Alain. Ah. T'as dit la ligne. Il est trop méchant pour qu'on l'appelle Tonton. Mais comme il est connu sur le nom de Tonton Alain, ben écoute, on fait avec. Sinon, ça, c'est pas des gens appelés Tonton. Monsieur Pilou, on vous écoute. Bon, laissez-moi. Mon vieux, moi, m'a appelé tout à l'heure pour me dire de venir vous donner une commission. Vous entendez? Attends, il faut parler. Voilà, la commission. Il est pas bien, il est chaud. Maman, il faut t'imiter. Oui, vas-y. La commission sait que il dit, il a porté plainte comme trois personnes qu'il a fait chez le procureur. Donc, si vous avez des preuves, quand le procureur va vous envoyer les plaintes, vous allez répondre à vos preuves. Tout
ce qui vous est arrivé. Attends, monsieur Pilou, attends, moi j'ai une question pour toi. Donc tu as son nom de main quoi? Je pas la question, il y a quoi même? Faut te parler à descendre. Je réponds à la question même. Eh hey, mon gars, faut te calmer. Ce que tu filmes là, je filme ça aussi quoi. Donc faut te calmer, hein. C'est pas comme ça on parle aux gens. Oui. Black Angel. Black Angel. Maman. Eh, hey, les filles, mutez-vous, s'il vous plaît, mutez-vous. Pilou. Pilou. Faut parler, je t'écoute. C'est, je suis responsable du panel. Adresse-toi à moi directement. Je t'écoute. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Répète, s'il te plaît, please. Répète. J'ai dit, hein, vous m'écoutez, on m'a envoyé pour vous donner une commission. Je ne suis pas venu donner explication à quelqu'un. La commission est que, si vous croyez pas aussi, il y a une capture d'écran de l'appel, les mots et le vieux mort. Tout à l'heure, il vient de m'appeler pour me donner, pour vous donner une commission. Il n'est pas venu pour casser de quelqu'un. On dit, ils ont pris convocation contre trois personnes. Et ces trois personnes ont parti. Tu peux demander à ton vieux Morgan de nous donner la liste des trois personnes à qui il a déposé plainte. Tu peux demander à ton vieux Morgan. Prisca, ton téléphone. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute, hein. La convocation de trois personnes et l'affaire est du point de vue de l'avocat. Vous vous envoyez les prix. Si la prise est comme trois personnes, que de vous dire ça, que de vous avez déjà dit. Que vous savez, vous n'avez pas de preuves de chargé. La maladie de bruit chez toi, il faut te muter, on va l'écouter. Moi, vous avez déjà dit, si vous n'avez pas de preuves ni de points, quoi, déchargez tout le temps, sinon vous allez payer les conséquences. Et ça, c'est très, très clair. Voilà votre commission. Ok, Pilou. Pilou. Va dire à tonton Alain. Va dire à tante Aline. Tante Aline, Colomassien, va lui dire que moi, la mère Glagla, la mère, la reine mère Glagla, j'ai dit sa mère qu'au matin, midi et soir. Si le garçon, il n'a qu'à monter sur le panel lui-même, il n'a qu'à prendre cette étiquette froissée là, pour monter sur le panel, pour venir me dire, je suis sur le panel, je l'attends. Il est garçon, je suis femme. C'est lui, tata mon cul de ses amis garçons. Pour moi là, on ne mougou pas mon cul. Il n'a qu'à monter. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de mougou mon cul. Il entend le mougou mon cul. Il n'a qu'à monter. J'ai dit, ses preuves, ils veulent, non. Avant qu'on va arriver chez le procureur là, va lui dire que moi j'ai dit, je vais lui donner une partie des preuves. Il n'a qu'à monter sur le panel. À lui, je vais servir les preuves. Si les garçons, il n'a qu'à porter ses couilles, puis viens sur le panel, j'ai mes ovaires bien en place, je l'attends. Okay. Hein, tante Aline, prends ton vieux vagin, viens sur le panel, je t'attends. Non, il s'appelle tante, tante Aline. Je sais que tu as bien enregistré, c'est un pilou. King, s'il te plaît. King, s'il te plaît, c'est de lui à moi. Pilou. Pilou, faut les laisser, c'est toi et moi, on parle, non? Pourquoi tu les écoutes? Mais mettez-vous les filles, mutez-vous. Pilou, va dire à tante Aline que moi, il dit qu'il n'a qu'à prendre son vieux vagin pour venir me parler. Mes ovaires sont en place. Il n'a qu'à porter ses ovaires. Par exemple, c'est une femme. C'est une femme qui cherche à passer par derrière. Tu comprends? Non? Moi, ce qu'il est en train de faire, où il t'envoie là, cela, il est en train de m'abaisser, quoi, ça ne me plaît pas. Moi, c'est face à face. Moi, je ne prends pas derrière. Il n'a qu'à venir face à moi. Il a écarté pour lui donner. Voilà, il est. Arrêtez de m'insulter. Moi, il tient pour. Arrêtez de l'insulter, influenceur. Faut muter les commentaires, tchè. Non, faut pas muter. Là, il y a quoi? La mère, il va lui dire. Donc, si tu es vraiment calme aussi, tu me donnes ton numéro et il envoie. Il est causé. T'inquiète pas. Il a lui donné mon numéro. Mais il est garçon, il n'a qu'à monter. Laissez-moi parler, Pilou, s'il vous plaît. Si il est garçon, il n'a qu'à monter sur panel. Pilou va lui dire de venir sur le panel. Et puis il n'a qu'à venir avec son vrai profil, pas à venir un faux profil. Il n'a qu'à venir un garçon pile, hein. Garçon pile. Voilà. Moi, je suis l'enfant d'un vieux gourou. Il n'a qu'à venir comme un vrai garçon. Un Woody. Faut pas qu'il va venir, genre, Cécile Atamira, hein. Non. Il n'a qu'à venir en Alain, pas à venir en Alino, hein. On ne veut pas d'Aline ici. Voilà. Il est garçon, il n'a qu'à monter pour lui parler. Je suis là, tu l'attends. Je l'attends. La commission vous a donné. Donc, tonton Alain dit, moi, je suis le messager. Je suis juste un messager. C'est mon vieux Morgan. Il faut laisser. Il faut laisser pour toi. Là. Si tu es la go de
Alain là, ou Alain là, tu es sa go là, tu peux pas venir le frère ici, toi tu t'es propre lui-même, toi tu peux créer quoi, ton maudit d'Alain là, il peut rien créer ici, même toi-même. Même ton chef, Alain, là, Alain, il est bien. Attends, Béret, faut te calmer. Béret, faut te calmer. Béret, faut te calmer. Béret, ce n'est pas l'envoyé, ce n'est pas le gars de, c'est pas la gonie, le gars d'Alain. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, là. Dans ce genre de combat, là, il y a toujours des gens de qui on se sert. J'ai fait la commission, il m'a fait la commission, il est venu nous faire la commission. Hein? Nous, on a accepté sa commission. On lui a fait une commission. Laissez-le, il va descendre, il va aller faire la commission, il va revenir. Pourquoi vous groupez sur lui-même? Il est 16h. On va faire l'apéro dans 5 minutes. Pourquoi vous ne voulez pas des chips? Vous n'êtes pas intelligent, le reste, là. Ah! Pinou, va faire ma commission, tu vas revenir. Pinou, va faire ma commission, tu reviens, il t'attend. N'écris pas sur mon Pinou. On est ensemble depuis hier. Puis nous descendons, on va faire la commission, tu reviens. Le peuple de Moïse, comme je vous disais, le peuple de Moïse, mon Dieu m'a dit, vous n'avez pas pu boire le sinon vous allez payer les conséquences. Il y a trois. Faut lui dire que moi, il dit, il y a un sac de preuves. C'est pas ton faux. J'ai un sac de preuves, il n'a qu'à venir se servir. Ton Dieu moral ne peut pas être frais, quelqu'un dit. Mais pourquoi vous dites ça? Peut-être que j'ai peur. Hé, Béret, moi j'ai peur. Regarde comment il tremble. Vous parlez de quoi, mais moi j'ai peur, je tremble sur moi ici. Pourquoi vous faites ça même? On va faire parler avec vous. Calmez-vous. Je dis calmez-vous. Puis vous allez faire ma commission. Puis vous allez revenir. Non. Mamoun, si bien, ça vous chauffe, ça me chauffe pas. Il n'a qu'à calmer ses ardeurs là. On n'est pas en guerre. Laissez Pilou. Laissez Pilou. Laissez Pilou. Je vous dis, laissez mon Pilou. C'est mon Pilou. Depuis hier, il vient défendre son vieux père. Il a le droit de le défendre. Laissez mon Pilou, il a le droit de le défendre. Il n'y a quel problème. Il a le droit de le défendre. Mais il allait faire ma commission. Il va revenir. Il n'y a quel problème. Voilà, l'aïeul est monté. L'aïeul, pardon, écris-moi une bosse, s'il te plaît. La madre. Alors, j'ai pas tout. Moi, je ne maîtrise pas les trucs là, non. Essaye de maîtriser. Je ne maîtrise pas bien les histoires de. Ok, j'ai besoin de toi en urgence. Il y a une information qui doit te venir tout de suite. Oui. Non, je maîtrise pas les trucs de choses là. Les enfants ne m'ont pas encore appelé. Personne ne m'a appelé. Bon, Pilou, j'ai un message pour toi. Moi, Béret TV, là, j'ai fait ton anniversaire ce soir à partir de 20h. J'ai vu ton patron, là, ton maudit Daline ou Alain. J'ai vu ce qu'il peut créer. Moi, là. Moi, il espère pour moi, c'est toi-même qui as attaché maintenant. Et puis, tu as appelé ton patron, puis il voit ce qu'il va crier. Ton mot dit encore mille fois. C'est moi qui dis ça. Il pense que c'est piment, mais c'est vert. Ils ont écrasé les fils dans cette narine dilatée là. Un jour, je vais commencer à venir parler comme ça. J'ai toujours sa gueule pour parler aux gens. Tu penses qu'on va te s'amuser ici? Tu penses que le gars est terrain de Dieu? Enfoiré de merde. Reviens ici avec ton cul qui coule là encore. Un chiot comme ça? Quand ton cul qui coule là, tu as venu parler aux gens comme ça? Tu as venu crier ici. Tu as dit pas ici là, c'est pour. Tu as dit pas intimider quelqu'un ici. Tu peux intimider quelqu'un ici? Ton mot dit ça. C'est moi qui te dis ça. Ton anniversaire là, moi, il a fêté ça le soir. Kilou, il a te donné non. Il a allumé télé sur toi. C'est le même groupe là. C'est lui qui est le repère de ce Aline là. Tata Aline là. C'est son repère qui est là comme ça. Un maudit comme ça. C'est lui, on envoie pour attacher les enfants là. C'est lui. Regarde, Kilou, il a te dit, hein. Si tu nous vois sur panel d'Aya ou de Glagla ou d'influenceurs, il faut te dire que nous, on a les preuves. Hein. Non, on ne prend pas dossier parce qu'il faut prendre dossier pour gagner non, hein. Il pense que c'est les gens bêtes. Depuis matin, moi je suis au labo. Et, faut pas jouer moi, hein. Il a étalé quelque chose de suite là, hein. Il n'est pas fini, mais il a étalé quelque chose de suite là, hein. Ton patron maudit, que c'est moi qui dis ça, que Béret TV dit son maudit, sa mère quand c'est moi il parle. Promesse. Il nous a créé quelque chose. Son maudit, promesse. Allô, Glagla. Dis-toi. Glagla. Eh, Béret. Maman. Maman, tu es là? Oui, là, oui, je suis là. Je suis dans le dites-moi. Essaye, non, c'est pour que je te donne mon WhatsApp. C'est pas si je peux te donner ici mon numéro. Non, je ne peux pas te donner ici. Ok, donc, bref, il faut m'écrire. Sinon, moi, je voulais monter à cause de Pinou, bien Pinou, là, je t'ai monté. Vous, là, calmez vos ardeurs. Laissez mon Pinou tranquille. Non, non, en fait, Blagla, moi, c'est pas qu'on allait. Sinon, moi, j'allais lui donner mon numéro en direct. Pinou est là. Voilà, j'allais lui donner mon numéro en direct. De nous convoquer. Moi, je suis à Abidjan. Moi, je ne suis pas en Europe. Hein. Je suis à Abidjan. Je suis à 13 juillet. Allô. C'est vous. Il y a un peu de vous. Il y a une commission et je vais me casser, s'il vous plaît. La mec, la glace.
Pilo, il travaille comme ça. Hein? Vous payez que vous avez, vous payez, vous avez abusé. Bon. Bon. Bon, la commission est que mon vieux m'a dit, il a déjà tout entendu, tout compris. Ici, quand j'ai tenté de parler tout. Donc, rendez-vous avec les preuves au tribunal. C'est tout. Compris, on n'a pas compris. Tu dis quoi? Ton vieux père dit quoi? Vous n'avez pas compris. Attends, vous n'avez pas compris quoi? On n'a pas compris, il faut répéter parce qu'il y avait de bruit, il y avait trop de bruit. Mon vieux m'a dit, vous allez parler, il a tout entendu. Il est dans le live. Il a tout compris. Donc rendez-vous avec les preuves. Quand vous dites vous avez des preuves contre lui, c'est les preuves seulement qui peut tout faire. Donc rendez-vous au tribunal, vous allez vous entendre. C'est pas parler dans bouche, c'est mort. Moi, prenez-moi comme un petit frère. C'est juste mon vieux père. Il vient faire sa commission. Il a jamais rien eu. Il m'a jamais rien proposé. Devant Dieu, devant les hommes. Il vient faire sa commission. Un vieux mort peut faire des bruits et aider d'autres personnes au quartier. Mais peut-être, c'est pas tout le monde qui fait. Donc, ne me comparez pas. Ne me mettez pas dedans. Ne vous demande pardon. Prenez-moi comme un petit frère. C'est mon vieux mort. Voilà. Ton vieux Morgan ne t'a jamais rien proposé parce que tu as une malédiction ambulante. Allez, dégage ici. Un petit maudit. Petit frère. Tu connais plus les membres de ta famille? Viens encore ici. On a encore fait ton poda pour regarder dedans. On voit même ces tunnels. Salaud. Influence, on peut faire ça avancer. Glagla. Allô, Glagla. Grand frère, elle en pose, on dirait qu'elle a eu un appel. Okay. Et chose comme influenceur. Qui est là? Influence. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je voulais qu'on le laisse où il est là. Nous, on va aller vers lui. C'est qu'on va faire là. Avant de faire monter ce pinou, bien pidou là. Et qui nous montre sa vidéo, c'est-à-dire mettez-le en, comment vous appelez ça, en, avec sa photo, la vidéo. En cam. Voilà, il n'est qu'à monter, voilà. On va voir son visage. Et où il est là? Moi, je vais partir là-bas tout de suite. Pardonnez, faites monter ce gars-là. On va, parce que peut-être qu'il s'amuse, je ne sais pas quoi. Mettez son visage. Où il est, nous, on va partir tout de suite. Pardonnez, faites-le monter ce petit-là. Qu'il mette, ah, il n'est qu'à assumer. Faites-le monter. Il a monter. Attends. Qu'il allume sa caméra. Faites-le monter. Je vais descendre quelqu'un, là. S'il vous plaît. Faites-moi descendre quelqu'un. Je reprends la personne. Non, 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 le grand frère peut rester. Malik, je vais te faire descendre. Je descends. Okay, descend. Merci, je te prends tout sur mon bébé. Il... Bonjour, bonjour. Ça va. Il n'est pas là, hein. Je ne le vois pas dans les demandes, au fait. Et puis nous, bien, puis nous, je suis bien, pincou, là. Il faut faire ta demande, tu as monté, hein. Tu as demandé ici à la barre. Comme c'est toi qui s'est fait Dagbashi, là. Il faut monter ici. Pilou. C'est ta photo qui est sur mon profil là. C'est ta photo. Pilou, c'est ta photo qui est sur mon profil. C'est lui-même. Derrière, c'est la même photo là. Il y a ça dans mon téléphone. Toi, hein. Essaye-toi, c'est toi mon problème. Comme c'est toi, on peut t'envoyer là. Moi, c'est toi, j'ai géré d'abord. Mauvaise qualité des bandes, tu filmes là. Vraiment, c'est fort, hein. On dirait que ça a affecté tes neurones. On a quand dit la vérité, Glagla est méchante. Comment il peut dire au vieux Morgan de monter? Un vieux avec ses narines comme ça là qui se frotte aux enfants, c'est lui qui va monter ici. Tap, pilou là, tu penses que c'est du jeu? Vous avez plus de 20 ans, tu me vois tout ça là. Tu penses c'est du jeu? Tu penses c'est du jeu? Tu t'amuses, hein? Mais attends, Garet, je te coupe pas la parole, mais quand tu vois son profil, tu le vois avec des liasses, tu sais que vraiment c'est le repère l'homme de main de cet authentique Aline là. Et puis il va venir se jouer à intimider les gens. Tu penses que c'est un terrain de jeu, soit on joue au billes ou bien à la pétanque? Tu te fous les doigts jusqu'au cou de mon petit. Faut demander qui on est. Faut pas t'amuser comme ça. On va afficher ton baudin ici. Là, toi-même, tu n'as pas compris ce qui va se passer. Le laisser. Moi, je suis élu à toi. C'est toi qui es pressé. À 19h, il fait ta sauce. Il fait bien ton anniversaire. Et puis, dis-toi, actuellement, il y a les papos qui sont en coin. Sandy, merci, mon bébé. Merci beaucoup, Sandy. Là, tu as chauffé mon rognon. C'est quoi ça? Et puis, on parle même. Et puis, il te truque dessus. Ça t'a venu nous aider. Qui est venu s'en prendre à vous tout à l'heure là? C'est qui?
Pingouin, pinouche ou bien pingouin, bien Pikachu, et qui est monté. On le parle doucement, et puis il gueule sur les gens. Il est entre Maroc et puis Paris. Lui, il pense qu'il est caché, quoi. Merci, Sandiké. Ok. On les regarde. Toi, tu penses que c'est du jeu. On prend pas dessus où il y a amusement. Hein. Ton patron, là, t'as le rejoindre là-bas. Moi, il a fait bien ta sauce ce soir-là. C'est là que t'as compris. Ok, il y a Titi Yoka qui dit monter que c'est urgent. Les gars, moi, je vous laisse. Hein. Moi, je vous laisse. Ok, tu veux descendre? Ok, ça marche. Je suis un peu occupé là. Ok. Bonne si pardon, entre avec moi. Je sais pas comment tu as fait quoi. Pour que je t'envoie mon numéro, s'il te plaît, Béré. Il est là. C'est Titi Yoka. Quoi? C'est toi. Okay. Titi Yoka, bonjour. Bonjour. Yes, vous avez demandé à monter? Oui, j'espère que vous allez bien. Oui, tranquille, allez-y, vous avez la parole. En fait, il n'y a rien de grave. Mais j'ai constaté que j'étais sur le panel de Mado, ça fait au moins 2 jours. Hier aussi, j'étais sur le panel aussi. Ce que j'ai à dire que... En fait, ce que vous êtes là fait, c'est pas des menaces, hein, c'est pas des menaces, excusez-moi, mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes là fait? Parce que celui que vous êtes là parler, vous êtes là l'accusé, est parti avec ses 3 avocats pour partir porter plainte et l'affaire est arrivée au parquet. Voilà, donc j'espère que vous avez des preuves. Voilà, je ne suis pas venu pour venir le défendre ou faire quoi que ce soit, mais j'espère que vous avez des preuves. Voilà. Pour le bien de tous, j'espère que vous avez des preuves de ce que vous êtes là fait. Je l'espère. Voilà. Titi, peux-tu lui dire d'allonger la liste des plaintes? Est-ce qu'il va allonger la liste? Titi Oka, il est là, il est parti. Il est en pause, maman, il a reçu un appel. Bon, comment il s'appelle? Tanti Aline. Tanti Aline, con qui coule. Arrête d'envoyer tes repéros à venir parler à ta place. Tu es sur le panel. Tu sais, je sais que tu es sur le panel. Donc, au lieu d'envoyer les enfants à qui tu donnes tes iPhones pourris de venir parler là, toi-même, faut monter. Ou bien tes ovaires sont comment? Tu as trop raclé les culottages? Tu as trop raclé? Monte sur le panel, on va discuter entre femmes. C'est quoi ce comportement? Mais qu'est-ce que c'est? Tata Aline, Tanti, mamie, moi, Aline, pardon, il faut monter. Il faut monter. Tu es allé voir le procureur, tu as déposé 3 plaintes. Tu prends tes 3 plaintes, tu transformes ça en Godmichet. Et puis, tu fous ça là où je pense. Moi seulement, là, tu me mets 18 plaintes sur le dos. Et moi, ce bande de couillons, là. Est-ce qu'on va faire ça, lui, là? Allez-y, Aude, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Je dis... Celui qui est monté ici, là, si ce n'est pas le repère du monsieur, ça m'étonne. Parce que vous pensez que les gens vont laisser leur activité pour venir vociférer? Oui. Venir vociférer sur le métal ici. S'il n'y a pas de preuves, ils vont se venir s'asseoir, des mères de famille, toutes celles qui sont sur le panel ici, ce n'est pas des vagabonds. Ce n'est pas des personnes qui n'ont rien à faire dans leur vie. Donc, on voulait, le monsieur là, il n'a qu'à lui-même, il faut venir ici, tu vas nous expliquer. Au lieu d'envoyer des gens là. Au lieu d'envoyer des gens, il faut venir nous expliquer. C'est de ça qu'on parle. Si on n'a pas preuve là, tu vas voir d'ici fin de la semaine s'il n'y a pas preuve ou bien s'il y a preuve. Vous avez vu ceci là, caméra, non? La patronne des patronnes, où est ce retour actuellement? Vous êtes toujours en train de... Quand vous n'êtes pas d'accord avec des personnes, vous êtes toujours en train de vociférer, en train de raconter du n'importe quoi. Vous êtes trop méchant. Ça, là, je suis sûr que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. On l'a envoyé. C'est un coup monté. C'est un coup monté, franchement dit. Donc, attendez, quand vous allez voir qu'il va retourner, il va suivre ceci là, Tamira, là, vous allez savoir que ici, là, c'est pas du jeu. Vous êtes trop bêtes. Au lieu d'apporter au lieu de bien parler pour qu'on puisse vous comprendre, pour dire que oui, ce qu'il fait, c'est pas bon et tout, vous êtes en train de dire que est-ce que vous avez les preuves? Ils n'ont pas de preuves et puis ils vont s'asseoir de quelle à quelle sur un panel. Genre, eux, la vie, c'est le panel, quoi. Ils ne savent pas. Si vous, on vous demande, vous êtes trop tués. Eux, la vie, là, c'est le panel. Ils n'ont rien à faire. Souvent, c'est à soi intelligent, allez à l'école aussi. Intelligence, on ne paye même pas, c'est gratuit. C'est la chose la plus gratuite sur cette intelligence. Réfléchis là, c'est la chose la plus gratuite. Vous refusez de réfléchir. Vous avez peur de réfléchir. En tout cas, il y a mes limites là. Dieu va faire le reste. Ceux qui ne croient pas là, comme d'habitude, les ignorants.
Les pauvres vont venir, c'est les pauvres vous cherchez, non. Vous allez avoir les pauvres, ne vous inquiétez pas. Ok, madame Aude, si vous avez fini, si vous permettez, on va vous descendre. Il y a des demandes en bas, si vous le permettez. Pas de souci, madame, pas de souci. Merci. Comment elle s'appelle? Black Angel. Mamoun. Oui, il est presque, il est bientôt 18h. Les demandes vont devenir de plus en plus nombreuses. Donc, les interventions rapides. Okay. Et puis, voilà, après, les gens du combat vont monter. Donc, il faut faire de maximum pour faire intervenir les gens. Non, c'est pas problème. Ne gardez pas les places sur le panel. Merci, merci, c'est gentil. Okay. Je me mute. Ok, maman. Adou, je pense que vous avez un problème de réseau. Hein. Adou. Et moi, je vais vous tapoter. Ok, Pounel, ça marche. Adou, je vais vous descendre et vous faites une demande. C'est comme si vous avez un problème de réseau, je ne sais pas. On n'arrive pas à vous... Vous êtes noir. Black, je descends quand je rentre à la maison. Mais je vais vous écouter quand je rentre à la maison. Si je dois intervenir, je vais monter. Ça marche, mon cœur. Qu'est-ce que tu es sûr? Oui, je descends. Ok, mon bébé, il n'y a pas de problème. Les gars, tapotez, tapotez s'il vous plaît. Tapote, on tapote, on partage, on prend les objectifs. Une rose, deux roses, sécurisez le live au maximum. Vous voyez que le live n'est pas stable et tout ça. Allons, tapotez s'il vous plaît. Vous tapotez, vous mettez des roses, vous prenez les objectifs s'il vous plaît. Encouragez-nous aussi à faire le combat. Prenez le cœur orange à côté du non-influenceur, prenez le cœur orange, tapotez, partagez. Mettez les roses, une rose, deux roses pour sécuriser le live s'il vous plaît. Kanidia, merci beaucoup mon cœur. Merci. Il n'y a pas de demande. Non, il n'y a pas de demande, vous pouvez rester pour le moment, c'est pas de souci. Queen Cissé, allez-y, hein, vous avez la parole. Queen Cissé, merci Marie-Kay, merci beaucoup. Sandy, merci mon cœur, merci. On t'apporte ton partage, on t'apporte ton partage. Queen Cissé, vous êtes là? Kanidia, merci mon cœur. Oh, merci mon bébé. Oh, désolé, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Désolé. Oh, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Monsieur Fort 52. Hey. 452. Bon, voilà maintenant. 452. 452. Une fois, deux fois, 452. La toupie, tu es là? La toupie? 2 minutes, j'arrive, 2 minutes. Ok, vas-y, vas-y. Grand frère Layoy, tu veux prendre la parole, vas-y. Hein. Non, en fait, comme c'est que ceux qui sont montés, nous on attend que chacun montrera ses preuves. On ne peut pas nous intimider. C'est-à-dire que moi, quand je vois aujourd'hui, il y a des gens, ils font rien. Le seul propriétaire aujourd'hui là qui peut intimider quelqu'un, c'est le président de la République. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui peut démettre le premier ministre, tout le monde. Même lui-même, le président de la République, ne se mêle pas des dossiers de la justice. Et si on n'est pas maudit, des gens, on parle de pédocriminalité. Toutes ces personnes-là, nous allons les combattre. S'il est sur le, comment on appelle ça, il est sur le méta. Moi, je suis à 13 huiles. Moi, je suis à 13 huiles. S'il est dedans, Inch'Allah, Inch'Allah, il va tomber. Même l'homme qui est plus que lui, là, il n'est qu'à aller voir la maca. Moi, j'attends que j'ai des preuves des enfants. Si j'ai des preuves et que j'analyse avec les avocats, ils me disent, Diomandé, fonce, on va partir. Ce qui est derrière, on va voir. Quand on a Dieu avec nous, on va avoir peur de qui? Quelque part où même c'est sale. Il y a des femmes même, quand tu leur dis, tu veux, derrière, elles vont inciter ton papa, ta maman pour te donner. Comme hier, j'étais quelque part, il y a un imam qui disait, quelque part où on dit, il y a déchets qui sortent là-bas, là. C'est là-bas, d'autres veulent partir. Personne ne peut nous intimider. Laissez même ceux qui montent pour dire, ils ont dit ça. Moi, je préfère qu'ils ne montent plus. Si le concerné même veut monter, qu'il monte. Il n'est qu'à aller voir ses avocats. Le procureur de la République, là, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut aller voir le procureur de la République. Il est le directeur des enquêtes. Donc, ce que je veux dire aux victimes, si vous êtes sûr que vous avez des preuves, ça a été fait, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Ne nous envoyez pas des preuves
ou c'est faux. Mais si c'est vrai, que ça soit Glagla, tous ceux qui sont là, Aya Robin, nous tous, on va vous accompagner. Si c'est pour les avocats là, on a des avocats même qui vont venir gratuitement sans qu'on paye 5 francs. Parce que quand on a Dieu avec nous, rien ne peut nous ébranler. S'il est au Maroc, il joue à ça là, il va savoir que moi j'ai plusieurs familles marocaines, le Pilou, mais le Pinou là. Il n'est qu'à s'amuser. Il va voir que d'ici, je vais actionner mes parents marocains. Quand il dit marocains, des vrais marocains qui sont vraiment riches. Il va voir s'ils ne vont pas le faire venir. Si tu es sur le méta, si tu es au Maroc, là, tu n'es pas caché. Ok, c'est ce que je voulais dire. Merci, grand frère. Merci beaucoup. Mariam. C'est pas Yopougo Maroc, hein. C'est le vrai Maroc, là, même. Mariam. Ah bon? Oui, c'est le vrai Maroc. Il est entre Maroc et puis Paris. Mariam Diabagaté Adama, quand vous montez là aussi, c'est pas pour venir franchement. Raïssa Vandalisation, c'est quoi ça? On continue de tapoter, partager, s'il vous plaît. Tapoter, partager. Il y a Narine sous nous maintenant. C'est vous qui êtes dans le pays, en train de faire des trucs. Continuez. Salomé. Salomé, c'est comme ça que vous montez pour signaler le compte des gens, hein? Franchement. Oui, influenceur a vu. Elle a vu le message de Tiesco, ne vous inquiétez pas. Tu as dit de venir, non? On tapote, les gars, on tapote pour sécuriser. On tapote. De Londres. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Amélie. Je suis content. Sais que ce combat-là, on va réussir ça. Si on a mangé la tête, c'est pas les oreilles qui vont nous effrayer. Pinou, on s'en fout. Celui-là aussi dira en prison au nom de Jésus. Merci et puis on continue le combat. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur de Londres. Merci. Alidou. Je vais prier, je reviens. Quand je finis de prier, okay, je reviens. Ok, grand frère, là-bas, tu m'en es, Inch'Allah. Amen. Alidou, vous pensez qu'on monte le panel comme ça, on paye pas le loyer, vous êtes là, je sais pas si c'est heureux de frappe du clavier à deux intestins, à Dama. Coucou le gringo. Comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein. Le chasseur, allez-y. Flu. Allô. Mon bébé, tu es là. Tu as vu le message de Tiesco, j'espère. Il dit ça, il remonte. Tiesco qui demande à ce que Influ rentre en urgence en truc avec lui ou Glagla. Ou c'est avec. Peut-être qu'on a été s'occuper des enfants, il n'a pas vu. Moi je l'ai écrit tout de suite. Ah, c'est là. Oui, Black, mon amour, oui. Mon bébé, qu'est-ce qu'on dit de retrouver un inbox? Ah, j'ai répondu. Ah, ok. Ok. 1er janvier, vous êtes là? Oui. Bonjour, allez-y. Allô?
Allô, 1er janvier. On vous entend de loin. Je ne sais pas si vous avez vos écouteurs. On vous entend très de loin. Je dis, moi, je voulais laisser un message à tonton Alain. Oui, allez-y. Parce que tout à l'heure, je l'ai vu, j'ai vu deux émissaires en train de vous laisser des commissions. Du genre, c'est un garçon. Mais moi, je crois que c'est un poltron. Parce qu'il y a une femme qui l'a répondu en tant qu'une femme. Elle dit, c'est aux ouverts en place. Donc, quand il est garçon, qu'il monte, si c'est qu'il n'y a pas de preuve, qu'il vient démentir et que ce que vous avez sous la main, vous allez le montrer. Et on verra sa réaction. Il ne faut pas rester derrière le mur et puis envoyer les gens et puis montrer que tu es garçon. Ça, c'est des dents faibles. Ça, c'est pas digne d'un garçon. Et du coup, son nom qui a changé, qui devient Tanti Aline, va rester Tanti Aline. Parce que c'est un poltron. Moi, c'est tout ce que j'avais à lui dire. S'il a les couilles qu'il monte et qu'il vient démentir, c'est tout. Merci. Merci, monsieur 1er janvier. En tout cas, le message va être passé. Merci beaucoup. Le chef du village. C'est quel chef du village, ça? Le chef du village? Le chef du village. Les gars, on continue tapoter, partager, sécuriser le live, sécuriser au maximum. On sécurise. Alors, 500 cas de partage, s'il vous plaît. 500 cas de tapotage et de partage aussi. Tapoter, partager. Action, mes chauds. Le grand Philaïon est allé prier. Hein? Je pense que s'il revient, il va voir ton message. Ou bien on va lui laisser un message dès qu'il revient seulement. J'ai fini de prier, je suis là. Ah, ok. Il y a Beret qui dit de regarder ton PV. Ok, je regarde. Sur TikTok, non? Je regarde okay, ça tout de suite. Oui, je pense, oui. Oui. Je regarde ça tout de suite. Ok, donc je reviens. Ok. Quand il se passe, et puis c'est calme comme ça. Mon bébé, Black, qu'est-ce que tu veux jouer des audios? Jouer des audios? Dang. Tu veux jouer des audios? Je vais t'envoyer des audios, est-ce que tu veux les jouer? Oh, j'ai pas mon téléphone avec moi, un flux. Tu n'as pas honte, parce que le live est mort. Quand on joue les audios, au moins ça réveille les gens. T'as réveillé, tu as raison. Sécuriser le live. Attends, une chose même. Yao était là tout de suite, non? Qui peut monter pour nous jouer des audios? Yao, tu es où ça? Pardon, faut monter, on a besoin de toi. Il faut que je vienne à mon téléphone au boulot maintenant, quoi. Parce que ça devient sérieux. Il faut commencer à venir à mon téléphone. Parce que franchement. Yao, tu étais là tout de suite. Pardon, faut monter, tu vas mettre les trucs. Qu'on mette le son. On est dans un combat, qu'on mette le son de Maïs System. Ah, Younous, on peut faire ça. Yao, tu es là, tu étais là, où est bébé d'ailleurs, Robert? Où est Yao? Pardonnez, venez, vous qui avez deux téléphones là, vous allez jouer des audios. Je ne vais pas sortir mon téléphone, oh, Seigneur. Yo, gagne-moi.
Younous, pardon, actuellement là, on n'est pas concentré. On est en train de faire un truc. Tout le monde est tendu comme un string. On ne peut pas jouer musique d'abord. Attendez, on va. Je n'arrive pas à le muter au fait. Avocat de Xavier. Adama Yoganywa. Tu m'as manqué aussi, c'est gentil. Merci beaucoup. Black, s'il te plaît, envoie une demande à Pilou. On va bien écouter. Ok, ok. Okay. Coucou la famille, coucou Influ, je t'ai envoyé un message sur mon deuxième téléphone là, comme ça tu m'envoies les audios, je fais écouter. Ok Marie, merci mon père. D'accord Marie, tu as laissé ton numéro? Je t'ai envoyé un message. Ok, ok, bon je regarde. Ok. Tonton Alain, l'ancêtre de... L'ancêtre. Mais Black est passé où ça? Le live est calme. Oui, c'est calme parce qu'on est au labo, puis en même temps, on fait le live. Hein? Oui, c'est on est au labo, puis en même temps. C'est moi, le chef. En même temps, on fait le live. C'est pas facile. Oui, c'est tellement que Tonton Alain, son affaire... Tanti Aline, la petite chouin. Tanti Aline, c'est une vraie chouin. Parce qu'on a fait des kiki. Je n'ai jamais. Influx. Influx, lui, c'est Tanti Aline, la vieille chouin. Tanti Aline, la vieille chouin. Tanti Aline, elle est kiki, même. Je n'ai rien compris, ils m'ont injecté de ton live comme ça, je n'arrivais plus à rentrer. Ah bon, c'est signalé, on tapotait le live, tapotait. C'est sérieux, hein? Mais eux, ils ne se reprochent rien. Pourquoi ils jettent les trucs? Je sais même pas, j'arrivais plus à rentrer dans le live d'un peu. Quand ils sont rentrés, c'est bizarre, mon téléphone bug, je comprends rien du tout. Waouh, ça c'est sérieux. Donc Pilou est venu menacer les gens ici.
Il y a le chef même dans les demandes. Il a dit, c'est chose, mais la vieille chouin, là même, c'est elle-même, c'est elle qui envoie les gens, donc c'est elle-même, on doit Yuruku même. Toi, autant pile ou au Vomodia. Mais le gars, il est monté encore, lui qui a le nom des Chinois, là. Il ne parle pas depuis. Mais il ne parle pas. Oui, il ne parle pas depuis. Moi, lui qui a le nom des Chinois en bas. Ah, pile ou faut monter ici, on te cherche, hein. Viens ici. Viens, viens causer. Laissez pile ou on va l'écouter. Voilà, il est là. Influencez-moi, vous avez fait quoi? Ah, moi, c'est un simple messager, vous tous vous mettez caisse sur moi en même temps. Mais bon, faut dire, donne la commission, on va écouter. La commission, attendez votre plainte, vous devez venir recevoir votre plainte. C'est que vous cherchez si le monsieur là va vous servir. Mais plainte pour quoi? Sa plainte va être intitulée quoi? C'est pour diffamation. Ah bon? Donc tu penses que c'est une diffamation? Mais il a porté plainte contre qui? Moi, je n'ai rien à penser. Moi, je pense de rien ici. Mais attends, moi, j'ai une question à te poser, Pilou. Bon, si je vais un peu dans ton sens, tu veux nous faire croire que par rapport au fait que tante Aline veut porter plainte contre... Tonton Aline, monsieur Aline, s'il vous plaît. Bon, OK. Mais c'est un peu compliqué parce qu'avec tout ce que... les panélistes reçoivent là, tu vois, on ne sait pas trop si on doit dire tonton ou le gentil. Ils reçoivent tout ce qu'ils veulent. Le monsieur lui veut des preuves palpables contre lui. C'est tout. Il veut des preuves palpables contre lui. Vous ne pouvez pas vous faire parler du monsieur. Lui veut des preuves. Moi, à la base, Attends. Écoute-moi. Pilou. Écoute-moi. Oui, je t'écoute. À la base, il peut faire des waves à certaines personnes. Il peut faire, et puis, il y a des waves qui font d'autres. Mec, il fait pas d'autres personnes. Donc, moi, je n'en sais rien. Donc, moi, je me dis quoi? C'est mon bon vieux père. Chacun vient donner sa version. C'est comme si on peut dire que toi, on t'accuse, deux, trois personnes t'accusent d'un mouvement. Pourtant, il y a des personnes que tu connais, eux, qui ne savent ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, quand ils entendent ça, eux, ça les étonne. Et quand ils ont demandé à la personne dit, oh, c'est rien, mon fils, tu connais pas, forcé, tu vas soutenir dans ton. Ok, est-ce que tu peux répondre à une question qui me trotte un peu dans la tête? Okay. Concernant la cité Sipim là, est-ce vrai que ton tonton a été chassé de là-bas? La cité Sipim, vrai, c'est mon tonton, c'est pas mon parrain. Hein. Donc où il vit, il n'en sait rien. Il a été chassé, ça. Attends, je reviens, s'il te plaît. Donne-moi une minute, j'ai un appel, je reviens. Mais tu peux aller lui demander ça, ou bien? Excusez-moi, vous pouvez me laisser parler à Pilou. Oui, vas-y, premier jour. Je lui demander s'il était chassé de la cité Sipim. Pilou. Est-ce qu'il a déménagé, ça veut dire cela ne veut pas dire qu'ils l'ont chassé. Ouais. Moi, en tout cas, moi, comme journaliste, j'ai dit, moi, il sait que je me suis même envoyé, mais demain, tu es en train de parler avec confiance, là, tu en sais quelque chose. Oh, laisse ce qui est en train de me dire, là, tu veux me mettre en quoi? Moi, je n'ai pas confiance en quelque chose. Je ne te mets pas la pression, parce que tu es en train de dire, vous allez faire des preuves. Ce qu'il t'a dit là, tu dis, et puis tu descends, point. Mais quand tu dis. Mais lui, moi, je vais laver mon nom. Moi, mon nom à laver. Quand tu as ton nom enlavé, tu ne salis pas ton nom. Quand tu as ton nom enlavé, tu ne salis pas. C'est genre de commission que tu ne fais pas. T'es un garçon qui te cherche, c'est genre de commission que tu ne fais pas. Tu ne te mêles même pas. C'est que tu as fait quelque chose. Laisse-le parler. Maman, mais je t'attends. Ok, je vais déjà commencer à chercher les plaintes sur qui. Mon cher, après, on vient de commencer là, déjà plainte. Attendez. Pilou. Influenceur, attends, y a pas, laissez mon Pilou tranquille. Pilou, je dis quand tu montes ici, à ce soupa là, tu parles pas avec quelqu'un. Voilà, ce sont les aigris. C'est moi, c'est à moi. On t'a pas demandé de mener nos commissions à moi. Ah, ça nous deux, on parle. Okay. Pilou, je dis. Je peux intervenir. Pilou, ce que j'ai. Maman m'écrit, pardon, excuse-moi. Maman m'écrit, pardon, okay, deux secondes. Pilou, ce que je n'aime pas chez toi là, quand tu es monté première fois, tu as fait commission. Je t'ai donné commission. Va lui donner la réponse. Tu dis que lui-même, il dit qu'il est sur le panel. Maintenant, bon, s'il est sur le panel, on ne prend pas de transport pour aller sur le panel.
Là, là, actuellement, il est assis sur le panel. Mais Dieu de ramasser ses vieilles couilles froissées qu'il monte. Non, la main. Qui porte ses couilles, qui monte. Moi, j'ai mes ovaires. La main, j'aime bien, mais tu respectes beaucoup. La main, tu respectes beaucoup. Non, Pino, c'est pas toi, j'ai insulté. J'ai dit, il faut dire attentif à Lynn de prendre son vieux vagin de monter sur le panel. La main, ce que vous faites là, c'est pas bien. C'est une mère de famille. Hein. Mais Pino, je suis une mère de famille, hein. Pino, j'ai le même âge que ton vieux père là, hein. Ah, c'est que toi, c'est un grand père, moi, il est fou. Voilà, faut lui dire que lui et moi, on est promotionnel. Il fait, il dit, moi, j'ai pas peur de lui, il me ferait pas. Il peut rien créer dans ma vie. Pardon, faut lui dire, il est sur le panel. Hein, tonton de Pilou, tante de Pilou, tante Aline. Monsieur Aline, s'il vous plaît, monsieur Aline. Hein, mais quand t'es monté, tu m'appelles comment? Tu m'appelles tante, non? Tu m'appelles la mère, non? Hein. C'est ma soeur. Ma soeur, Alina. Pardon, il faut monter. Faut cliquer seulement invité là. Tu cliques dessus, tu montes. Moi, je te fais la promesse. J'ai fait descendre tout le monde du panel. On sera trois. Toi, moi, et puis lui, moi, et puis influenceur. Je fais descendre tout le monde du panel. Pilou, faut dire attention à lui. Elle n'a qu'à appuyer invité. Aline, moi, je ne peux pas dire tantôt. Moi, tu me dis normalement. Mais faut dire à ton tonton, faut dire à ton tonton Alain. Dis à ton tonton Alain d'appuyer invité. Et puis, il monte. Moi, je descends tout le monde sur le panel. On est trois. La plainte, là. Si ce n'est pas devenu Godmiché, il ne va pas croire. J'ai compris. Dis-lui de monter, je l'attends. Non. Il est sur le panel. Appelle-le là où tu es là. Dis-lui de vive voix. Tonton Alain, viens, je suis là. Qu'il n'ait aucune crainte, il a peur de quoi? C'est un homme. Tu vas dire que c'est un homme, non? C'est un personnage public. Moi, je suis une femme. Un personnage public, il travaille dans quel gouvernement? Il a quel titre en Côte d'Ivoire? Toi, tu sais l'enfant de qui je suis? C'est un fonctionnaire d'État, la mère. C'est pas un fonctionnaire d'État. Cette enquête, on l'a déjà menée. Il travaille dans rien à l'État. Si tu as la preuve qu'il travaille à l'État, il n'a qu'à monter venir me dire où il travaille, son numéro matricule. Nous, on le trouve tout de suite. Après, ça vous dit qu'il est étudiant. Comme un vieux à Berck parisien. Il y a dit tous les vieux à Berck sont à Paris, les vieux à Thiers de Paris, ils ont 60 ans, ils sont étudiants. Puis nous, on dit à tonton Alain de venir. Il travaille pas. Il travaille pas, c'est un vagabond. Un escroc notoire qui a fait trois fois la marque. Il a fait trois fois la marque, c'est un escroc notoire. C'est un escroc de grand chemin. Non, il t'a pas l'œil. Pilou, il t'a envoyé. Moi, il t'envoie. Donc, tu me respectes pas, Pilou. Pilou, si les gens t'agressent sur le panel, là, il ne parle plus. Hein. Si quelqu'un t'agresse sur le panel, il ne te défend plus. Pilou, va chercher ton oncle. Appelle ton oncle. Dis tonton, monte. La même preuve de tout ce qui t'a dit, il faut me montrer. Parce que c'est une diffamation. Pilou, il a dit même si. Écoute-moi bien, Pilou. Pilou, où est-ce que tu as entendu ça là? Le slogan, il a te le sorti. Mon slogan, il a te le sorti. Il a dit même le président Alassane Ouattara, je le clash, ça va nulle part. Toi, tu as affaire à qui même? Moi, mes deux V5, il faut même pas 25. Tu prends mes deux V5, tu assembles, ça vaut pas 25. La mère, s'il n'y a pas preuve, là, mon Dieu, moi, je ne peux pas monter pour des diffamations. Bon, toi, tu veux preuve. Ton vieux Moron n'a qu'à monter en caméra. Il va découvrir son pantalon, va baisser son cul. On va voir si là-bas, il n'y a pas de trou. Comment il y a trou? Mais ça, c'est quoi? En bon d'accord? Tout le monde a coco ici. Tout le monde est malade. Donc, toi, t'as coco. Puis toi, t'aimes causerie. Toi, tu veux causer, moi bien. Et te donne mon numéro, tu m'appelles, puis on cause. Voyez ce que tu as fait ce panel là, ça c'est causerie. Puis lui, appelle ton oncle. Dis tonton, faut monter. Fais-le monter. Pourquoi vous êtes peureux, comment? Vraiment des hommes. Toi, puis nous, un grand garçon comme toi, ta maman compte sur toi. Ta maman compte sur toi, puis tu viens faire des trucs comme ça. Toi, toi, l'avenir, le pays compte sur toi, tu es l'avenir du pays. Non, mais c'est pas question d'avenir. Toi, tu es l'avenir du pays. Je ne vais pas saluer un bon vieux Moron qui était en vrai moi. Un bon vieux Moron. Là, disait comme le bon vieux Moron avait au quartier. Vous, vos vieux Moron qui appuient vos fesses là. Hein? Oh, dis à ton oncle de monter. Tout le monde a coco ici. Même pas ma coco. Laissez donc ici. Dis à ton oncle de ramasser cet estacroix et de monter. Moi, mes ovaires sont dans mon ventre et les portes. Il n'a qu'à porter cet estacroix, il va monter. C'est le garçon. Je lui lance le défi. Ça a plein de temps. Il lui fait avaler ça en 5 minutes.
La mère, moi je veux. Dis à ton homme de venir, c'est trois plaintes. Je le fais avaler ses plaintes. La mère, écoute-moi maintenant. Parce que tu me donnes une preuve tout à l'heure. Moi-même, je juge mes péchés. Quel saint, c'est qu'elle vous appuie et puis se branle là. Voilà, il faut jurer ce saint. Il ne faut plus jurer ce saint ici. Va jurer ce saint. Ah, bon, d'accord. Pilou, pardon, dis à ton oncle de monter. Sinon, si tu remontes une troisième fois là, il me mute. Tu vas remonter, il me mute. Ils vont t'allumer, Pilou. C'est à cause de moi, personne ne t'allume. Il y a garant tout le monde sur ce panel là. Ah, d'accord. Bon, les filles. Allez. Les filles. C'est olé. Feu vert. Pilou. 5 minutes en Chine avec Pilou. Pilou. Tu veux draguer? Tu es venu pour draguer ou bien? Je m'attends. De me calmer comment? De me calmer comment? Attendez. Appelle ton nom qui va monter. Attends, allumer. Donnez ma photo. Non, non. Il me demande pardon. Il me demande pardon. Attendez. Pilou, appelle ton oncle. J'ai compris. Voilà, Pilou. Non, non, il est là, il est sur le panel, il faut lui dire. Tonton, il faut monter. Tonton le Pilou, tonton Aline. Tonton Aline, oh, Aline, tante Aline, je ne sais pas. Tante Aline, la vieille chouin, il faut monter. Jamais. Ton neveu est sur le panel actuellement. En tant qu'un petit qui tient sa parole, il dit envoie-moi une preuve de mon Dieu, mon roi. Pilou, il ne t'envoie rien, même si le président Alassane Ouattara m'appelle tout ce qu'il veut prévu de ne pas. Il n'est pas juge. Il n'est pas juge, il n'est pas policier, je ne lui donne pas. Pilou, je ne donne pas de preuves. Pilou, tu es une dame. Diffamation. Toi, tu as entendu le mot diffamation au carrefour là-bas, tu es venu de poser sur mon dos. Faut me laisser tranquille. Pilou, dis à tante Aline, la vieille chouin, de monter. Oh, elle a sa moustache qui blanchit sur elle là. Glagla, il y a commission pour toi. Glagla, il y a commission pour toi. Oui, vas-y. Bonsoir, Pilou, mon influenceur, bonsoir. Pilou, bonsoir, bonne arrivée. C'est qui lui là encore, Seigneur mon Dieu? C'est lui, non, faut regarder bien mon profil. C'est vrai que tu peux gagner ta vie ici? Non, King, bonsoir. Excuse-moi, Pilou, je voulais te demander, au fait, depuis nous sommes là, est-ce que tu as déjà vu une femme qui est montée pour venir parler de ton vieux père? Ce sont les hommes sont morts. Faut demander à ton vieux père comment c'est fait que ce sont les hommes sont morts qui parlent de lui. Est-ce qu'ils se sont entendus? Ils sont dans le même quartier? Ils sont ensemble dans la même association du village? Dans la même église? Dans la même école? Comment c'est fait que ce sont les garçons sont morts? Faut demander à ton vieux père. Chapitre, il est fait de répondre. Non, vas-y, je t'écoute, non. Il y a quel problème? Ils se sont attendus. Il n'y a pas de problème. C'est une question que moi-même me suis posée. Comme toi, tu es venu, c'est pas moi-même qui te repose la question. Je ne sais pas, je connais pas, c'est du quoi. Il est sur les droits. Je ne comprends pas français, j'ai parlé ça en bon français. Au fait, les gens disent ton vieux père, mais on constate que ce sont les garçons seulement. C'est-à-dire, c'est un homme. Dans les noms, c'est les femmes qui devaient venir se plaindre. C'est les vieilles mères, c'est pas les vieux pères, c'est les vieilles mères. C'est une vieille mère. Dans les noms, ce sont les filles qui devaient venir se plaindre. C'est tanti Ali, la vieille chouin. Mais c'est garçon seulement. Pourquoi c'est garçon seulement? Allô, Glagla. Allô, Glagla. Pilou, il m'a écrit. Oui, c'est pourquoi. Pilou m'a écrit. Il dit Coco, mon vieux. Coucou, mon vieux. Pilou, c'est pourquoi. Non, mais Dieu, vous êtes... ils ont mis ma photo sur le panel. Et vous là, ne menacez pas mon Pilou. Ne mettez pas sa photo. Il n'aime pas ça. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème, Pilou? Pilou, va appeler tante Aline. Viens mettre la dame, non, viens mettre le dégresseur pour respecter mon vieux mode d'armée dégresseur. Si vous souvent quand un arbre de ma part, vous avez pas de preuves comme le monsieur, vous avez des preuves, affichez les Mais Pilou, moi j'ai mes preuves, il vient, je lui donne mes preuves. Moi j'ai un sac de preuves, il vient, je lui donne une preuve. Donne-moi ton numéro. Je te donne pas. On t'en fait appel conférence, nous trois. Alors, donne-moi ton numéro. On fait appel conférence, nous trois, pour chercher quoi? Tu vas lui montrer une seule preuve. Dès que tu lui montres une seule preuve, moi, mais le diable. Non, moi, c'est fait appel conférence avec ton vieux père. Ton vieux père, il paraît qu'il a le jazz. C'est fait appel conférence avec lui. C'est pour qu'il me soudoie. C'est pour me soudoyer. Tu sais, il est prêt à me soudoyer pour qu'il me retire du combat. Mais parce qu'il sait. Il quitte le combat. Il me verse 10 millions tout de suite à Abidjan sur mon compte. Il quitte le combat. Voilà, il est devant tout le monde, j'ai dit. Plus que 10 millions. Allons. Combien de millions peut me verser? Parlons devant tout le monde. Combien de millions à ton avis? 15 c'est petit. Moi je dis 10 c'est bon, 15 millions c'est quoi? Moi il y a vendre un influenceur pour 15 millions. Influenceur n'est pas gourmande. Mais là il y a vendre un influenceur. Dans 5 dessus. Ah, si on met les fesses de choses de Black Angel, ça fait 20 millions. On va aller sur 20 millions. Ok, allons sur 20 millions. Il y a confiance en mon vieux mort. Il y a confiance en lui. Et puis il tue le discours. On s'en va, il bosse. Il tue tout. Tonton d'ici, s'il te plaît, viens prendre tes millions, pardon. Il a beaucoup d'argent, ce monsieur.
Il a beaucoup d'argent, c'est un homme sérieux. Que botte, lui. Lui, il donne ma commission. Lui, je t'écoute. Oui, au fait, moi, il n'y a rien depuis ici en mode repéro même. C'est à cause du pilo même, j'ai activé mon compte depuis un tout petit peu. Au fait, pilo nous fatigue depuis hier. J'ai constaté que c'est un tout petit peu complexe parce que c'est complexe. Comme moi, je suis en train de dire c'est complexe parce que il y a beaucoup de personnes, comme les faits là, c'est sur une longue date, donc ça fait que pour reconstituer un peu les témoignages, c'est un tout petit peu difficile. Comme vous avez changé de stratégie et puis la manière de communiquer, on espère qu'on va vite arriver au bout. Si c'est vraiment les faits qui sont allégués et puis que c'est avéré, ça va vite aboutir. Mais moi, pourquoi moi, je suis monté mon message principal, c'est par rapport à nos autorités. Au fait, il y a une personne dont la photo était en train de traîner depuis une semaine, deux semaines, trois semaines. Bon, lui, il peut dire que ce n'est pas lui. Les gens peuvent dire que c'est lui aussi. Mais PLCC, maintenant, même à Kessi, réseaux sociaux, là, eux, ils font quoi? Eux peuvent saisir le monsieur pour dire, monsieur, vous pouvez porter une plainte contre Cyber seulement, au moins quand même. Est-ce que les faits qu'on vous reproche là, c'est vrai ou bien c'est faux? PLCC peut interroger le monsieur, au moins ça fait quoi? C'est la même chose qu'on fait dans le cas de Cécile Atamira. Jusqu'à problème à traîner un mois, trois semaines, voire deux semaines. C'est la même chose. Ils peuvent appeler le monsieur pour dire, monsieur, on voit votre photo traîner sur le net. Les gens vous accusent de quoi? Est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que vous reconnaissez dans les faits? Le monsieur va dire oui ou bien non. Sûrement, il va dire non. Et puis on le libère. Là, comme ça, maintenant, s'il y a les preuves concordantes, maintenant, ça peut aller vite. Mais on le laisse. Eux, ils veulent que les gens qui sont sur la toile n'ont qu'à finir de recueillir toutes les preuves. Et puis, ils vont venir à la dernière minute, comme ils ont fait l'autre chose à faire de Cécile. Mais vraiment, c'est un tout petit peu malheureux. On ne salit pas des personnes, on n'accuse pas des personnes. Mais souvent, quand il y a plus de 10 personnes, 15 personnes qui montent pour dire oui, cette personne, on connaît la personne. Et puis, la personne nous a approché lorsqu'on était mineur. C'est un petit peu difficile, quoi. Ils font quoi exactement? C'est quoi la preuve qu'eux veulent avoir? Ils veulent que vraiment un mineur, c'est-à-dire un enfant de 15 ans, 16 ans, monte. Appelez le monsieur, dites telle personne a témoigné contre vous, telle personne dit ça, est-ce que c'est vraiment vous? En fonction de ça, ils sauront comment orienter leur enquête. Mais ils ne vont pas laisser que les gens puissent réunir toutes les preuves et puis vont les envoyer. Nous, c'est pas, ou bien ceux qui font ça, eux, c'est pas leur travail. Eux, gens, ce sont des cyberactivistes, ils lancent des alertes. Un cyberactiviste, comme je suis en train de le dire, une alerte là, ça peut être vrai ou bien ça peut être fausse. Il n'y a pas de problème. Mais c'est à cause de ça, il y a les juridictions. Et puis après, maintenant, si on doit poser plainte, on peut poser une plainte pour diffamation ou bien les accusations qui sont là. On peut poser une plainte pour étayer les propos les plus vraiment possibles l'enquête. Mais c'est déplorable. Et Siro a dit ça la fois dernière. Siro a dit, mais depuis la Cécile Atamira, on le laisse parler comme ça. Et c'est vrai encore, il y a un cas comme ça. Il peut au moins prendre ça comme jurisprudence et puis moi essayer de pousser un peu le bouchon plus loin pour nous aider. Mais c'est difficile. Tonton lui, excuse-moi. Les filles, pardon, j'ai 5%. Je rentre à la maison et puis je me reconnecte. J'ai 5%. Ok, maman. Ok. C'est un peu difficile. Donc, ça fait qu'au fur et à mesure... Blague, faut me descendre, pardon. Je ne vois plus mon écran. Faut me descendre, okay, pardon. Ok. Non, au fait, quand vous dites qu'elles ne sont pas des cyberactivistes, moi, je ne sais pas ce que vous appelez cyberactivistes. Panélie, vous ne savez pas. C'est quel message elle lance? Elle attire l'attention des personnes sur un fléau ou bien sur une personne qui a de moralité douteuse ou bien une personne qui aurait abusé ou bien qui abuse des gens. Ça aussi, c'est ça aussi, on appelle cyberactivisme aussi. Je ne sais pas quel sens que vous donnez à cyberactivisme. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des nouveaux mots qui viennent dans la communication. Ça, c'est aussi du cyberactivisme aussi. Ou bien pour vous, quand on dit cyberactivisme, c'est forcément politique, quoi. Ok, d'accord, si vous dites non, il n'y a pas de problème. Donc, en quelque sorte, essayez de prendre un tout petit peu le relais, aider un tout petit peu les personnes qui sont en train de faire la sensibilisation autre. Le monsieur, il est en Côte d'Ivoire avec vous, interrogeur, c'est pas méchant. Vous êtes des hommes de trône, vous avez des soupçons, vous l'avez appelé. Ah, monsieur, on constate qu'il y a un cyberharcèlement contre vous sur la toile. Si c'est vraiment du cyberharcèlement, on verra. Si c'est vraiment des trucs qui sont dus, si c'est vraiment des trucs aussi qui sont, on verra aussi. Mais je sais pas comment vous faites pour vous là, hein. Ou bien vous, c'est dans les politiciens, sûrement vous êtes forts. C'est les politiciens, sûrement vous attrapez. Ce sont les militants de l'opposition, seulement vous pouvez attraper. Sinon, ceux qui font les trucs devant vous, là, vous ne vous les voyez pas. C'est difficile. C'est difficile, sincèrement. On ne sait même plus où mettre la tête, ou bien on ne sait même plus quoi faire exactement. Vous voulez quoi? Mais influencer là, elle n'est pas OPJ. Glagla n'est pas OPJ. Tous ceux que vous voyez sur la toile, ils ne sont pas des OPJ. Ils ne sont même pas des officiers assermentés. Il y a certaines questions, même les gens ne peuvent pas poser. Mais quand vous ne faites pas votre travail, donc, ça fait que souvent, les gens se confondent en des officiers judiciaires et puis posent certaines questions ou bien ils font certaines erreurs.
Mais une erreur qui est commise, on ne peut pas prendre ça en compte dans un procès. Vous le savez très bien. C'est-à-dire là où nous sommes là, s'il y a quelqu'un qui a fait sortir une preuve et puis la personne a procédé de la mauvaise manière là, le juge ne va pas accepter ça. Vous-même, vous savez ça. Mais quand même, vous voulez pousser les gens à bout. C'est un tout petit peu difficile. Appelez le monsieur, vous êtes en Côte d'Ivoire, ça fait quoi? Vous avez son numéro. C'est vous qui pouvez, c'est vous avec une dérogation du juge ou bien du procureur et puis étayer. Le juge peut donner pour retracer ses numéros ou bien ses conversations pour savoir effectivement qu'est-ce que le monsieur a fait, qu'est-ce que le monsieur a fait il y a 45 ans de cela. Mais vous pouvez le faire. C'est un tout petit peu difficile. En Côte d'Ivoire, nous sommes 33 millions de personnes. Dans les 33 millions de personnes là, ils ont pris photo d'une personne, ils ont mis. Il y a plus de 25 personnes qui sont montées pour dire oui, le monsieur comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça en quoi là? Vous voulez quoi exactement? Mais pourquoi dans les 33 millions de personnes là, c'est lui qu'ils ont pris? Et puis les personnes qu'ils appellent là, les personnes qu'ils appellent de divers horizons. Il y a d'autres qui sont déjà en Europe, il y a d'autres qui ont déjà pris de l'âge, ils ne sont plus à 14 ans, 15 ans, 16 ans, il y a d'autres qui ont 30 ans, il y a d'autres qui atteignent la quarantaine. Donc pour vous, toutes ces personnes là se sont trompées, si elles, c'est une conspiration. Elles se sont entendues pour venir témoigner contre le monsieur. C'est difficile. Le salaire, là, quand vous le prenez, là, vous êtes content, non? Vous nourrissez vos enfants, vous nourrissez votre famille. Mais vous servez à quoi exactement? C'est ça, vous servez à quoi? Nous, on ne sait même pas quoi vous servez, sincèrement. La fois dernière, il était en train de faire débat CNCI là-bas. Là. Plus de 5000 personnes qui ont mené au combat. Mais il n'y a pas une seule personne qui a pris son temps pour appeler, pour expliquer le véritable problème, ce qui s'est passé. Tout le monde, le seul intervenant qui a appelé là-même, là, il est parti parler de d'autres choses mais qui ne concernaient même pas le débat de Cécile Atamira. Les journalistes qui étaient sur le plateau là-même, ils étaient perdus. André Silver, qu'on a aimé, il est monté. Il était là-bas aussi. Il dit que lui, il a suivi le dossier depuis longtemps. Comme je n'avais pas les moyens pour appeler, je voulais lui poser la question. Mais toi, tu as suivi le dossier depuis longtemps. Là. Est-ce que tu as une fois fait post sur Facebook, ou bien sur Twitter, ou bien sur TikTok, pour nous dire que tu nous suivais, ou bien pour éteindre nos propos? Non. C'est quand le type était pris que vous avez dit que vous suivez le dossier depuis longtemps. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est une alerte que nous lance. Nous sommes des pères de famille. Nous avons des neveux, nous avons des nièces. Vous aussi, vous avez des enfants, vous avez des neveux, vous avez des nièces. Si au moins 10, si 10 personnes montrent pour dire à telle personne, ce sont ses habitudes, ce sont ses habitudes-là, vous pouvez essayer d'appuyer nos propos. C'est vous qui avez des relations. Nous, on n'a même pas des relations même. On ne connaît personne. Mais aidez-nous dans le combat que les gens sont en train de mener. Ça, là, ce n'est pas un béret. C'est un débat assez technique. La majorité des personnes qui montent, elles sont très expliquées. Vous êtes là, vous pouvez les convoquer dans vos locaux pour dire, monsieur, vous pouvez passer dans tel arrondissement. Si vous avez des trucs, vous pouvez venir vous expliquer. Ça fait quoi? Si les personnes ne sont pas venues, que vous pensez que vous pouvez prendre certaines résolutions ou bien certaines mesures contre les personnes qui ont affiché la personne, vous pouvez les prendre. Je ne sais pas à quel moment vous pouvez prendre vos responsabilités ou bien vous attendez que le pire arrive. C'est un tout petit peu difficile. On vous paye avec nos impôts, mais vous travaillez contre nous. Vous travaillez contre nous. PLCC, ils ont crié, c'est pourquoi exactement? PLCC, là, ça sert à quoi exactement? C'est pour attraper Brouter? C'est pour attraper les cyberactivistes de l'opposition ou bien c'est pour attraper les gens de l'opposition. Mais les faussaires là-même, là, vous ne les attrapez pas. La fois dernière, les gens sont montés sur votre page là-bas, ils vous ont posé la question. Vous avez attrapé une femme qui a fait tontine. Ils l'ont publié. Mais vous avez pris la femme là après ma bio. Mais vous avez publié la femme là, vous avez laissé ma bio. Vous avez publié la femme là, vous n'avez pas publié Cécile Atamira. Vous triez les gens pour publier. Vous triez les gens pour publier. Mais police, vous travaillez pour vous-même. Vous ne travaillez pas pour la population. Vous travaillez pour vous, mais vous ne travaillez pas pour la population. Il y a une femme qui a fait tontine. Ils l'ont pris après ma bio. Mais elles, ils l'ont publié. Mais ils n'ont pas publié ma bio. Ils n'ont pas publié ceci. Allez, ici, la page de la police nationale, vous allez voir là-bas. Ils n'ont rien publié. Mais il y a une femme qui a fait tontine après ma bio. Là, c'est elle qu'ils ont publié. Mais tous ceux-là, ils ne les ont pas publiés. Mais pourquoi vous faites ça? Quand on mène un combat là, quand ça aboutit là, venez nous faire les points. Nous, on n'a pas le temps de vous appeler pour dire, mes frères, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ou bien comme ça. Mais faites-nous le point. C'est pour nous que vous ne travaillez pas pour vous. C'est pour nous que vous travaillez. Faites-nous le point. On est 33 millions de personnes. Chacun ne va pas appeler à la police pour dire à tel dossier, à quel niveau, quel dossier. C'est quand vous nous communiquez ou bien vous dites, ah, voici tel problème que sur les réseaux sociaux, voici où nous en sommes arrivés là. C'est en fonction de ça que nous sommes contents. Puis on dit que vous travaillez pour nous. Mais on vous alerte si des cas, on vous alerte si certaines situations. Mais vous êtes assis dans vos bureaux là-bas. C'est difficile. Hein? Quand tu n'aimes pas travailler, puis tu t'en vas faire là. C'est comme ça que tu travailles. Quand tu n'aimes pas un boulot, puis tu t'en vas faire là, c'est comme ça que tu travailles. Sinon, une personne qui aime son travail là, il fait son travail avec bon cœur. Il fait son travail avec cœur joie. Mais ce que vous faites là, on dirait vous a forcé pour aller passer au concours de police là. Sincèrement. Il y a un agent comment on appelle ça, Pôle emploi en France qui s'est fait virer. Parce qu'il a montré comment on appelle ça, ceux qui ne travaillent pas, au chômeur là, comment il devait faire pour avoir les droits.
Vous passez concours, vous prêtez serment et puis vous partez vous asseoir là-bas dans le bureau, vous êtes assis, vous nous regardez. Vous cherchez les trucs où il y a Béret pour dire que diffamation. C'est dans la diffamation où vous êtes fort. Mais ce qui peut être un crime là, vous, ça ne vous intéresse pas. Ce qui peut poser un problème là, ça ne vous intéresse pas. Ou bien vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas de neveu. Vous n'avez pas de petit frère aussi. C'est quel problème qui vous touche exactement? Dites-nous le problème qui vous touche là. On va partir parler de ça aussi. C'est quel problème qui vous intéresse? Dites-nous, c'est quel problème vous voulez? Qu'on parle de ça là, comme ça nous on va parler, puis que vous allez nous aider dedans. Il a là, appelez monsieur, on voit vos photos publiées sur le net, c'est vous vraiment, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Est-ce que les faits qui sont allégués contre vous là, c'est vrai ou bien c'est faux? Non monsieur, ce n'est pas moi, ok d'accord, il n'y a pas de problème, nous allons faire une plainte contre ces femmes qui vous dénigrent sur la toile, ou bien nous allons attirer la toile, c'est tout. Ou bien vous, vos bacs que vous avez fait, puis vous avez fait psychologie, ou bien criminaux à la fac là, c'est cadeau. Vous ne savez pas détecter du vrai ou bien du faux. Même la différence entre petit pois avec gnagna là, vous ne connaissez pas. Différence entre petit pois et gnagna, vous ne connaissez pas. Petit pois là, c'est un peu sucré. Gnagna là, c'est amer. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous dire ça. Ça, c'est difficile. C'est ça, on dit, la différence entre un cadre bien formé et un cadre mal formé. Un cadre bien formé là, il va toujours à la source et puis prendre des choses. Mais vous êtes des cadres, on ne peut pas dire que vous êtes des cadres mal formés. Parce que quand vous voulez travailler, vous travaillez bien. Mais pourquoi si c'est un dossier, vous ne voulez pas bien travailler? C'est pas nous, on va vous sensibiliser. C'est à vous de nous sensibiliser. Vous dites ce que vous êtes en train de faire. C'est pas comme ça on procède. Le monsieur il est blanc. Vous n'avez pas service de communication. Vous publiez des choses sur votre page là-bas, non? Vous avez un community manager. Il fait quoi là-bas? Lui, il fait quoi? Lui, il fait quoi exactement? Lui qui met les informations sur la page de la police là, ou même PSC, lui, son rôle là, c'est quoi exactement? Dites-nous au moins. Donc là, lui, s'il a fait 3 postes par mois là, lui, il est payé à 400 000 ou bien 300 000. C'est son travail, lui, a fini de faire comme ça là, quoi. PSC, c'est aussi là, ceux qui tracent aussi là. S'ils ont attrapé 3 boutreurs, ou bien ils ont attrapé 2 personnes, 4 personnes, ils ont plus les photos là, c'est fini comme ça. C'est comme ça que vous travaillez. Aidez les gens au moins quand même. On n'a pas dit de rentrer dans tous les bérets qu'on fait sur la toile, mais quand les sujets sont si comme ça, quand ça dure 2 semaines, 3 semaines, appelez la personne, demandez à la personne. Vous avez le pouvoir de ça. Vraiment, on ne va pas tout dire parce qu'on va trop parler là. Il y a déjà les moutons dans les commentaires qui sont en train de dire qu'on fait politique. On va essayer de laisser ça comme ça, mais soutenez les gens au moins quand même. La femme là, les femmes qui sont là, elles sont mariées. C'est parce que les voix portent, c'est pas les gens les approchent, vous disent, ah viens, mais voici un dossier, il faut nous aider. Mais si vous-même là, vous prenez l'argent de ça là, que vous ne pouvez pas aider les gens là, c'est pas les gens qui n'ont rien là qui vont aider les gens. Bon, moi je préfère m'arrêter là. C'est que si vous continuez comme ça seulement, Dieu vous voit. Merci, j'en ai fini. Bon, je sais que tu fais en bas là-bas. Hein. Dieu vous voit. Merci, Calisson, merci. Je descends. Merci. Merci, tonton Louis. Et moi, j'ai une petite question. Le pilou là, il vit dans quel pays? Parce qu'il y a dans le palais de Madola, il y a une personne qui a mis un commentaire qui a attiré mon attention. Qu'il a un de ses bons petits qui vit au Maroc. Qu'est-ce qu'on met la main sur lui là? Qui connaît tous les secrets de tonton, non, tata Aline. Me pose la question, est-ce que c'est pas ce pilou là? Ah, ok, ça je pensais. On plaquait, je lui ai posé la question, il vit ou il ne répond pas. On dit c'est lui. Il a une question qui a dit. C'est lui. Qu'est-ce qu'on met la main sur la question? Lui connaît tous les secrets du monsieur. C'est lui. Non, c'est pas le cadet qui parlait. Il y a quelqu'un qui a mis en bas cadet. C'est pas le cadet. J'ai vu ça hier dans les commentaires du live de McDo. Il y a une personne qui a dit ça. Que non, il a son bon petit qui est au Maroc. Qu'est-ce qu'on met la main sur lui là? Et on saura beaucoup de choses. C'est pas le cadet. Je te dis que non, il a boité plein. C'est doyé, mon cher. Alors, à son cœur est mort. Il sait que bientôt il va ramasser la tontine. Ne manquez pas votre nouvel épisode de La Croisée des Destins. Aujourd'hui, à 17h40, sur Novelas TV. Tout de suite, La Croisée des Destins. La première dame, prenez la parole, hein. Je sais pas, c'est quand vous tapotez là, ça vous amène en haut ou bien c'est comment, Adama? User! User! Ok, vous allez descendre, allez tapoter un peu en bas là-bas. La première dame, vous êtes là? Ok, vandalisation. Monsieur, vous n'avez absolument...
Yamuna aussi qui est là, je pense qu'elle n'a pas encore parlé. Moi je ne comprends plus rien, c'est devenu la sorcellerie maintenant ou bien. Il y a Mouna aussi qui est là. Mouna est mariée, il ne faut pas parler. Mouna, il me sait Kakuma, il faut parler. Mouna, je vous dis, c'est important de faire que les amis là-haut. C'est une heure. Mouna, tu veux aller nager les crocodiles du lac Ossou? Ok, descends. Va t'apporter. Il y a Kenzo qui est monté. Kenzo, Cash Money, tu as la parole, bonjour. Vous faites quoi? Ma tu as vu, on est en train de faire quoi? On dessine? On est en train de dessiner, il est l'heure de l'apéro. Comment vous l'avez? Bon, moi, franchement, dit, aujourd'hui, c'est lundi, déjà que je suis déjà saoulé, tu n'as pas venu me saouler avec des questions à la con. J'en prie. Donc, tu descends, tu vas dessiner avec les enfants du jardin. N'importe quoi. Les gens qui aiment se faire voir, hein. Si tu cherches abonné, viens écrire que tu cherches abonné. T'as venu monter au secours, bonjour. Et avec les paroles de wesh, vous faites quoi? On est en train de dessiner, il est l'heure de l'apéro. Ne me pompez pas l'air, hein. Aujourd'hui c'est lundi. Il y a que le lundi aussi, il y a vénère, ne venez pas graver dessus. Exodus, au suivant. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Vous avez la parole. Merci, merci, merci. Mais ce monsieur là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi? C'est un pédocriminel aussi ou quoi? Ah, ton aussi, tu n'es pas sur TikTok? Non, je n'ai pas l'information depuis deux jours là, vraiment. Tu ne sais pas, quand tu suis en classe, hein, vous dormez, le pays là, vous entrez de prendre feu. C'est un pédo aussi. S'il vous plaît, je peux prendre la parole comme il n'est pas à jour là, rapidement. Ah, ok, ok. Mais c'est Zeus, deux fois, attendez, tu as écouté ce qu'il y a. Jean-Pierre Zobandi. Ok, pas. Bon, moi, ce que je pense de cette histoire là, c'est que il y a un monsieur qui est monté, il est en train d'accuser la PLCC là. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'est passé. Le monsieur là, il n'a pas utilisé le net. Parce qu'il faut qu'on connaisse le rôle de la PLCC. C'est quand tu utilises l'internet pour commettre un crime que la PLCC agit. Ça n'a rien à voir. Donc, où est le rôle de la PLCC dans ce que lui demande? L'autre combat, Hassan Hayek et l'autre, se sont occupés du combat. Tranquillement, ils ont mené le combat en bas. C'est la même chose qu'il faut faire ici. C'est de regrouper les preuves en bas. Et puis, on travaille en bas. Une fois que c'est bon, ils vont interpeller, s'il y a des plaintes, ils vont interpeller le monsieur. Souvent, les gens ont tendance à dire, « Oh, tel à bras long, tel à bras long. » Souvent, là, c'est de l'influence. Prendre des photos avec des autorités. Une autorité peut prendre photo avec n'importe qui. Et il y a des gens, là, dans leur stratégie de dissuasion, ils s'arrangent toujours à prendre des photos avec les autorités. Et ce sont ces photos-là qu'ils utilisent toujours pour dissuader d'autres personnes, pour montrer à d'autres... Il y a quelqu'un qui fait écho, hein? Laurie, pardon, mute-toi. Landry, ok, j'arrive même pas à le muter. Voilà, c'est bon, allez-y. Donc... Les gars, quand vous montez, mutez-vous, s'il vous plaît, ça dérange. Ok, vas-y, Piezo. Par ces photos-là, ils utilisent ces photos-là comme moyen de dissuasion. Ça arrange toujours à prendre des photos. Oh. Hein. Je viens de parler, hein. Ok, allez-y. Ok. Il y a des gens qui ont escroqué des gens en Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient juste des photos avec des autorités et ils ont pris ces photos-là. Plein de personnes, c'est leur technique qui sont là. Ils prennent ces photos-là pour aller escroquer des gens. Ils prennent ces photos-là pour aller soutirer parce qu'ils pensent, ils disent aux gens. Oh, je connais tel ministre, je connais telle personne, je peux te donner tel contrat. Et comme preuve, il va faire sortir des photos qu'il a prises avec ces derniers-là. Mais ça ne veut pas dire que ces derniers-là les connaissent physiquement ou bien ils arrivent à faire des affaires avec eux. Donc il faut que les gens fassent attention. Et souvent, ils ont tendance à dire, oh, tel à bras long, tel à bras long. Et voulez à bras long, hein, c'est souvent le seul truc qu'ils font, c'est de corrompre certaines personnes. Dans la police, ou bien dans, en tout cas dans des corps à pied.
c'est quand il y a un problème et ce dernier-là le couvre. Donc, comme ce dernier-là le couvre, les gens pensent qu'ils ont bras longs jusqu'en haut, en haut, en haut. Vous pensez qu'avec ce pouvoir actuel-là, qui est prêt à se noyer pour quelqu'un? Puisque le monsieur même, qui a, le président même, là, n'est pas prêt à se mêler des affaires de justice. Donc, il n'y a aucun de ses ministres ou bien des directeurs qui est prêt à se mêler d'une affaire. Je vous le dis, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, ils savent. C'est quand tu es dans des pétrins que tu vas savoir que personne n'est prêt à mettre son nom en haut. Parce que affaire de Facebook, TikTok et autres, là, ça fait que si tu t'opposes à quelque chose, quand on te met ton nom dehors, là, ça va partout. Tous les ministres, tous les directeurs de Côte d'Ivoire, les gens sont au courant de ce qui se passe sur Facebook, ce qui se passe sur TikTok. C'est plus puissant que les médias qu'on a en Côte d'Ivoire actuellement. Les gens même que vous ne pensez même pas, même, ils viennent regarder TikTok, ils viennent regarder Facebook pour être informés sur certaines choses. Vous avez vu sur NCI, d'où est quitté le nom Cecilia Altamira là? C'est pas sur TikTok. Donc, ce qui veut dire que les gens suivent, même les journalistes, ils suivent. Même le combat que vous êtes en train de faire actuellement là, entre les 700, 800 personnes qui sont connectées là, il y a des journalistes dedans, il y a des directeurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des ministres même, soit il y a des secrétaires, après ils font des points, il y a des femmes des ministres, après elles font le point à leur mari, tout et tout. Donc ne pensez pas que les gens ne sont pas écoutés, les gens sont écoutés. La procédure, cherchez les témoins, ils vont calmement en bas, ils forment un truc avec la salarié comme l'autre combat, et puis on va déposer la plainte calmement, avec des preuves comme il faut, pour éviter les erreurs qu'on a eu à faire dans l'affaire Cecilia. C'est tout. Maintenant, évitez de mettre des photos des victimes et les amener forcément à venir témoigner. Parce que quelqu'un qui est victime déjà là. Parce que hier, Mado a mis photo d'un gars que le monsieur là est victime. Donc le monsieur n'a qu'à venir témoigner forcé, de vous à moi. Ça c'est doux. Ça c'est tuer quelqu'un deux fois. Quelqu'un qui a été abusé quand il était petit. Toi tu viens mettre sa photo forcée qui n'a qu'à venir témoigner encore. De vous à moi. Et c'est comme si vous êtes en train de le comme si tu abuses de la personne deux fois. Tu peux rentrer en soum-soum, négocier avec le gars pour qu'il vienne témoigner, mais tu ne vas pas venir afficher sa photo pour dire forcé, viens témoigner. On ne fait pas ça, c'est une victime. Il faut protéger les victimes. Les victimes n'ont même pas besoin de venir témoigner à visage découvert. À plus forte raison, mettre la photo du monsieur. Demain, ses collègues vont lui demander au travail, mais pourquoi ils ont mis ta photo là-bas? On dit que tu as été abusé quand tu étais petit. Le monsieur a payé tes études, tu es parti au Maroc, de vous à moi. Ça ne se fait pas. C'est une victime, ça ne se fait pas. Si c'était le bourreau, je peux comprendre. Parce que lui, il mérite son sort. Mais une victime, tu mets sa photo là, commence à dire, oh, c'est le monsieur là qui a payé ses études, il est parti au Maroc, il a fait tant, 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 comment il a connu sa femme, tant, tant, tant. Ça, c'est la vie privée d'une victime, on est en train d'exposer comment. Ça, je ne suis pas d'accord. On négocie une victime en bas pour pouvoir témoigner. Et puis, le témoignage d'une victime, même, ça sert à quoi même sur TikTok, en temps réel, ça ne sert à rien. Mais c'est de négocier à lui pour qu'il y ait un collectif pour aller porter une plainte en bonne et due forme. Donc, en faisant le combat aussi, les Aya n'ont qu'à savoir comment recadrer Mado dans ses agissements. Parce que pour finir, elle pense tellement bien faire qu'elle finit par tout saccager. Donc, j'en ai fini. Je descends. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Piezo. Merci, ça ferait vraiment tenir en compte. Merci vraiment. Ouais, merci bien. Mm-hmm. Marie-Jo. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous aussi, on va bien. D'abord, je tenais à vous remercier pour ce nouveau combat. On a suivi le combat depuis la semaine passée chez Mado. Je remercie. Elle nous a écouté. Elle est venue vers vous. Vous tous, vous allez prendre le sujet en main pour qu'on puisse attraper ce monsieur-là. Moi, je voulais m'adresser personnellement à Lilou, lui qui est monté pour venir donner une commission. Quand on t'envoie là, faut savoir t'envoyer. Si tu veux pas être mêlé à cette affaire-là, quand on t'envoie là, faut savoir t'envoyer. Comme tu sais très bien que si tu viens dire sa commission là, ils vont dire toi checker et puis ils vont commencer à te soupçonner là. Tu lui dis directement que, ah, vieux père, soit toi-même tu montes, hein. Moi, je peux pas partir dire, ils vont m'associer à ce genre de truc. Après, toi-même tu disais que ça là, c'est un crime qui salit très, très, très mal l'image. Et puis, toi, tu viens, tu dis que, ah, c'est commission seulement. Ils sont venus, ils t'ont dit de venir. Ce que toi-même tu es dedans et puis tu cautionnes ce qu'il fait. Tu cautionnes ce qu'il fait. Donc, faut pas, tu vas venir nous embrouiller. C'est même chose comme l'a fait Cécile, quand on était là-bas. Même Ryan, il avait son Yann qui le défendait.
il y avait son Yann qui le défendait. Au début, Yann disait qu'il ne connaissait pas Ryan. Quand on a fouillé là, après, c'est pas lui qui a commencé à le défendre. Toi, tu avais dit que ah, tu n'as rien à voir. Après qu'on va fouiller, tu serais le deuxième bourreau même dans cette histoire-là. Donc, si tu ne veux pas être mêlé à cette affaire-là, tu restes dans ton coin. Si ton voix pouvait donner des commissions, tu dis que à toi, tu ne peux pas venir faire ces commissions-là. Soit lui-même, il monte, soit il fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas, il va te mêler à ça. Dans le cas contraire, on continue à t'afficher ici. Si tu ne veux pas être dedans, on continue à t'afficher ici. Voilà. Parce que Ryan, Yann, c'est ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, là, il est là-bas. Donc, si tu veux pas être mêlé là, faut rester là-bas. Sinon, on continue à t'afficher ici. Quand on dit on veut pas être mêlé à quelque chose, là, on reste tranquille et puis on ferme sa bouche. Mais ce monsieur, là, c'est un grand prédateur. Comment ça, toi, une seule personne, il n'y a aucune femme qui monte pour dire que non. Tous ces victimes sont des garçons. Il y a des pères de famille aujourd'hui, ils ont grandi, ils sont à l'étranger et autres. Toi, t'as venu dire que c'est un responsable, il travaille, il a qu'à partir porter sa plainte, il a qu'à partir faire. Là, quand on partit répondre là, voilà, on dit ce qu'il a fait là, et puis les témoins aussi vont porter plainte, et puis vont l'enfermer. On va pas nous embrouiller ici pour dire que c'est comme cela. Toi, tu es un père de famille, et puis tu fais ça. Donc, tu crois que les victimes qui ont vécu ça là, eux, ils ne sont pas des pères de famille, puis ils ne sont pas des parents. Eux, ils sont quittés en haut pour tomber, et puis toi, t'as venu faire du sale en fond des gens, et puis on s'assoit là pour te regarder. Tout l'est, tu as fait ça pendant combien d'années? 30 ans en arrière, soit 40 ans en arrière. Si Dieu dit tu as tombé là, tu as tombé, puis on est sur toi, on pas te laisser. J'espère que tu écoutes bien. On pas te laisser, on partit jusqu'au fond fin de l'affaire avec toi. Tu crois que tu as ton souci comment? Ryan est venu intimider les gens ici. Tu crois que tu as fait comme Ryan? Ryan, c'était le premier sujet. On a su le canaliser. Donc pour la même, faut pas dire que ah on durait sur toi, mais toi, mais c'est un petit problème. On passe vite tais toi. Mais tout ce que tu as fait là, c'est connerie. Tu peux pas intimider quelqu'un ici, hein. Tu peux même pas intimider quelqu'un ici. Voilà, c'est ce que j'étais à vous dire. Et puis, je suis en bas, je tapote, je partage. On fait ce combat ensemble encore. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci, voilà, c'est beaucoup. Merci vraiment. C'est vraiment une belle promotion. Coucou Yannis, ça va? Ouais, ça va, la making black. On dit quoi? Ça va, mon bébé, on dit quoi? Ah, moi aussi, ça va. Au fait, moi, je voulais intervenir à propos du monsieur qui est passé avant la jeune fille Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, merci pour ton intervention. Le monsieur est venu dire que Mado a mal fait. Il est venu, Jean contredit ce que monsieur lui est venu dire. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes des civils. On n'a pas fait d'études de droit. On n'a pas fait d'études en sécurité du pays et tout et tout. Nous sommes des saints patriotes. On a eu marre de ce genre de trucs. Et on a remarqué que dans le pays, il y a des personnes, lorsqu'elles font des crimes, c'est difficile de les inculper. Donc, les réseaux sociaux sont des moyens très importants pour que le peuple, puisque maintenant, on ne peut pas se lever pour aller parler. J'ai vu qu'il y a des personnes, 60 personnes, 16 personnes qui ont commencé à marcher contre la vie chère. Elles ont commencé à protester. Normalement, c'est dans le droit de l'homme de parler, de contester lorsqu'il y a des choses, de faire des grèves et tout. Mais on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc, la seule voie de liberté d'expression, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Donc, le monsieur, lui, vient dire que pourquoi Mado a fait ceci? Pourquoi la main influencée, vous mettez les photos des gens? Il n'a qu'à savoir qu'elles n'ont pas fait dessus de droit. Donc, elles ne savent pas. Puisque ceux qui doivent faire leur travail ne font pas leur travail comme ils se doivent. Donc, eux, ils sont un peu comme des personnes qui ne connaissent rien dans ce genre de choses, mais ils savent que ce n'est pas une bonne chose. Donc, eux, ils viennent pour dénoncer. Donc, eux, tout ce que eux, ils peuvent faire là, eux, ils le font, en fait. Mais peut-être qu'eux, ils le font mal, mais c'est pas de leur faute. Puisque ceux-mêmes qui ont été mandatés à faire ce boulot-là, ils ont jeté l'éponge, ils ne font pas leur travail. Donc, nous, les civils, la société civile, on ne connaît pas. Donc, nous aussi, on fait de notre manière. Donc, nous, on fait, si c'est mauvais ou c'est pas mauvais, nous, on veut que la justice soit mise au clair, en fait. Donc, pourquoi il va venir pointer du doigt les cyberactivistes pour dire que pourquoi ils postent photos des gens? Parce que eux, ils connaissent pas. Ceux qui doivent faire leur travail, ceux-mêmes qui ont été formés pour ça, ils ne font pas bien leur travail. Ils sont là comme ça. Donc, c'est pas, nous aussi, c'est tout. Donc, et puis, il n'a qu'à savoir que c'est dans le côté que lui, juste qu'ils ont mal fait là, ça a porté des fruits à ta mira et où elle doit être actuellement. Donc, il n'a qu'à arrêter ce genre de truc là. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je voulais dire aussi que nous sommes dans cette vague là de cette affaire de pédocriminalité et tout et tout et tout. Donc, ne pensez pas que c'est à cause. Bon, c'est vrai, ça a été aussi alimenté à faire de Oubia. Mais si tu es une fille, tu as été violée par un homme. Si tu es un homme, tu as été violé par une femme quand tu étais enfant. Pour coder les mots, mon bébé. Et tu as été veillé par un sexe opposé. Parce que depuis, là, c'est une pédophilie, ou encore une
une pédocriminalité, mais qui est du même sexe. Mais si aussi, il y a des personnes qui ont été, ne pensez pas que c'est le monde, que c'est pour les personnes du même sexe, homme ou femme, mais de manière hétérogène et hétérosexuelle. Si tu as été violé aussi, hein, il faut venir par la voix des réseaux sociaux, ta voix va porter. Parce qu'il y a des gens qui vont venir dire que pourquoi il y a 20 ans de cela, pourquoi c'est maintenant qu'il vient parler. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le viol, c'est un choc émotionnel. Le VIO, c'est un choc émotionnel, c'est un choc psychologique. Il y a des personnes qui perdent la raison lorsqu'elles ont ce genre de crime. Non? Vous pensez que c'est facile aux gens de venir parler, de venir dire ce genre de truc? Non. Il y a des personnes, ça fait 50 ans, mais avec la justice, si les deux personnes sont en vie, même si ça fait 1000 ans, l'affaire s'est passée, la personne vient porter plainte. Il y avait des preuves, des témoignages, et on fait des vérifications, on fait des choses, la personne va aller là où elle doit être. Donc, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu as été VIO de manière hétérosexuelle, ne pense pas que c'est seulement lié au cas des Wubi, non, c'est la pédocriminalité, l'abus, le viol. Donc, si tu es dans ce genre de cas-là aussi, il faut venir parler, il faut venir truc. Donc, moi, c'est ce que moi, j'avais à dire. Merci. Merci, mon bébé. Merci vraiment. Influenceur 2.0, il peut parler. Il a un peu compris le sujet. Vas-y. Il voit que c'est une histoire, voilà. Il voit que c'est la même histoire encore avec ce dernier, là, l'autre, là, comment il s'appelle. Cécilia. Voilà, Cécilia, voilà, c'est encore la même histoire. Je pense que non, Yanis, tu n'as pas compris le dernier, le monsieur qui est passé avant que tu ne passes, lui, il était dans la même veine. Hein. Il était simplement, apparemment, c'est. On dit de cacher le visage des victimes, voilà, ceux qui sont victimes pour ne pas qu'ils soient exposés, mais les pédocriminels doivent être exposés, quant à eux, doivent être exposés. Et vous savez, les lois là, c'est les peuples, depuis belle lurette, c'est les peuples qui font les lois. Donc si un peuple dit accable, si un peuple s'élève, le fait de dénoncer, si une personne, deux personnes, trois personnes, jusqu'à 1000 personnes dénoncent quelque chose, les autorités policières et judiciaires doivent prendre ça en charge et doivent maintenant mener des investigations pour pouvoir voir le vrai, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Sinon, se taire, c'est donner le cursus au futur, je dirais, pédocriminels de continuer dans leur forfaiture. Donc, ce que nous faisons, c'est déjà très bon. C'est déjà très bon, afficher les pédocriminels afin que, et puis aussi, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin, même si il faut aussi les piéger. Il faut aussi les piéger. Donc, il faut s'organiser. Ces gens de personnes-là, il faut entrer en contact avec eux pour les piéger. Tout en étant vraiment discret. C'est vrai, on va dire que c'est le travail de la police. Mais nous-mêmes aussi, on doit aussi, constituer des systèmes de pièges. Voilà, ces gens de personnes-là, comme ils aiment plutôt les mineurs, on va les piéger pour qu'ils puissent être pris la main dans le sac. Parce qu'un pédocriminel revient toujours sur son lieu de forfaiture. Donc, il faut les piéger. Donc, je pense que c'est un truc comme ça. Maintenant, il faut aller un peu à la vitesse supérieure. Il faut les piéger. Donc, maintenant, il faut réfléchir à ça. Sinon, oui, le fait de faire du tapage, oui, les influenceurs font mais il faut créer un système de piège où on peut les enregistrer, où est-ce qu'on peut les prendre en photo. Donc, tout ce qui peut être comme pièce justificative pour pouvoir les condamner, on doit maintenant trouver une stratégie pour que vraiment on puisse les condamner, ils puissent être pris la main dans le sac. Donc, dès maintenant, à tout moment, si vous cherchez, il faut, tous ceux qui sont soupçonnés d'être pédocriminels, il faut déjà commencer à trouver des systèmes d'enregistrement de vidéos, de photos, de preuves à l'appui pour pouvoir les condamner. Parce que là, vous savez que c'est comme une drogue. C'est quand tu es plutôt décriminel, c'est comme une drogue. Même si il va prendre ses précautions, il pourra pas prendre ses précautions jusqu'à belle lurette. Et donc, il faut trouver ce système-là. Influenceur 2.0, ce que je dis, c'est très très important. Parce que il faut aussi lorsqu'on aura des preuves palpables, là, on sera déposé devant le juge d'instruction. Il n'y a même pas à faire, quelqu'un ne peut pas faire, personne ne pourra libérer quelque chose. Personne ne pourra libérer son ami. Et on va directement mettre le grappin sur eux et on va les jeter rapidement en prison. Ils seront hors d'état de nuit et nos enfants seront libérés et seront sauvés. Donc, c'est un peu ça. Il faut encore aller plus loin, trouver des stratagèmes pour pouvoir piéger ces. Zeus, tu es là? Si vous pouvez, je voulais prendre motion comme son micro éteint. Vas-y, moi, avant que je vienne. Avant que Atamira soit enfermée, là, j'aurais appris que les deux se connaissent. Ça, c'est Salma, même la femme de Feu Aboboulet, père à son âme. C'est la première fois même, c'est elle même qui avait dit le nom de ce monsieur. Les témoignages des victimes qui sont toujours pris avec les pincettes. Donc, il faut aller un peu plus loin. Si ces victimes-là tapent, donc on peut entrer encore avec beaucoup de précautions. Parce que là, avec beaucoup de précautions, il faut s'organiser. Voilà. Nous-mêmes, on va vraiment être aussi des policiers aussi pour que vraiment justice soit faite. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant.
Merci. Ok, ok, Zeus. Je voulais dire aussi, puisque la première fois qu'on a entendu le nom de ce monsieur, c'était dans l'affaire des Altamira. Donc, je suis sûr que Altamira sait des choses sur ce monsieur. C'est une pyramide. C'est comme une pièce de domino. C'est une réaction en chaîne. Quand un tombe, l'autre tombe, l'autre tombe, l'autre tombe, l'autre tombe. Donc, je ne sais pas si on doit aussi questionner Altamira pour qu'il puisse dire. C'est, puisqu'ils sont complices, ils se connaissent, ils ont le même mot d'action. Sauf que lui, Altamira, lui, c'est dans la musique, lui, c'est dans le football. C'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activité, ils font ces choses-là, ils se connaissent. C'est-à-dire que par une personne, on attrape tout le lot. Donc, Altamira, qui a lu son drap à péter, lui, il a pris la tontine de Maca actuellement. C'est lui aussi, on doit lui questionner pour qu'il puisse dire tout ce qu'il sait à propos de ce monsieur-là. Et puis, j'aimerais dire aussi, de la même manière que grâce à Altamira, on a su pour ce monsieur, par ce monsieur-là aussi, on va connaître pour une autre personne. Donc, moi, j'aimerais vous dire, la mère influenceuse, la mère Aya Robert, la mère Glaglan, en tout cas, toutes les femmes qui sont au devant, ces Amazones, ces femmes de feu, ces femmes d'onction, ces femmes de grâce, ces femmes qui bataillent, qui militent pour la jeunesse ivoirienne, pour la jeunesse africaine. Si vous avez des indices sur une autre personne par ricochet, par le fait qu'on attrape ce monsieur ou par le fait que ce monsieur-là soit dévoilé, ne commencez pas à parler directement sur les réseaux, mais allez directement sur ses comptes. Vous prenez le maximum de preuves parce que j'aurais appris que, puisqu'il a commencé à être dévoilé, il a bloqué son compte TikTok, il a mis son compte en privé et après encore, il a désactivé son TikTok. Il a fait pareil pour quelques de ses comptes Facebook. Donc, c'est-à-dire qu'avant de commencer à mettre cuit de la personne au dehors, là, allez d'abord prendre toutes les informations, recueillir toutes les informations qui sont bonnes avant de venir commencer à étaler. Sinon, il y a beaucoup qui vont commencer à voir bonne manière d'agir. Yannis, excuse-moi, deux minutes. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai, c'est sur les réseaux sociaux, on le dit. Mais il faut te dire que le criminel, ou bien, en matière de criminologie, le criminel ne peut jamais, jamais prendre à 100% ses précautions. Il y a toujours une faille. Et je sais de quoi je te parle. Donc même si aujourd'hui on parle, on peut parler, lui il va se dire qu'il va pas dire fermer tous ses comptes, mais il y a toujours une faille quelque part. Voilà, ça, donc restez c'est serein. C'est ce qu'on dit ici là, ils ont qu'à fermer leur truc, mais il y aura toujours une faille. Bonsoir. Puis, ce que je voulais dire encore là, s'il vous plaît, la mère, priez beaucoup. C'est vrai, nous on vous soutient, mais c'est vous qui êtes un peu plus devant que nous, c'est vous qui avez les différents papos, les différentes informations. Priez beaucoup, parce que ces individus là, ils sont beaucoup mystiques aussi, donc priez beaucoup. Priez beaucoup, confiez ça aussi au Seigneur. Mettez beaucoup à faire de Dieu là-dedans. C'est-à-dire que le travail physique, mais aussi le spirituel, le spirituel et aussi le physique. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller vite. C'est ce que j'avais dit. Et je vais chuter par là. Merci. Allô? Influenceur. Yannis, moi, je voulais te dire que le fait que c'est sorti là. Je peux là, parler là, Marie. Que c'est Marie, Dieu. S'il te plaît. S'il vous plaît, il a dit quelque chose. Oui, soldat, je suis là. Soldat. Faut parler. Oui, influenceur. Bon, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, quoi, que ce soit les pédos, que ce soit les oubis, là, c'est le même lit, quoi. C'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas une différence entre un pédo et un oubi. Hein, parce que c'est le oubi, là, qui se transforme en pédo. Donc, en réalité, il n'y a pas une différence. C'est toujours les... M'excusez pour le terme, c'est des bodaks. Ils passent toujours par là, quoi. Donc, il faudra vraiment qu'on mène ces lits-là. Tant qu'il y a des woubis, il y aura toujours des pédos. Parce que c'est des woubis-là qui regardent nos enfants, soldat. Nos petits-enfants-là. Mais pour le moment, c'est pas ça qu'on est en train de parler, quoi, en fait. Attention, quand on dit pédo, c'est quelqu'un qui cherche les mineurs. C'est quelqu'un qui cherche les mineurs. Mais woubis, c'est différent. Il n'y a pas une différence. Ils sont tous pareils. Non, il faut faire très attention. C'est la même chose. Soldat, là, je t'arrête. C'est pas pareil, s'il te plaît. Tu sais, l'orientation sexuelle de la personne n'a rien à voir avec le combat qu'on a, en fait. Tu vois, chacun est libre de ses mouvements. Ce que nous, on déplore, c'est le fait que les agissements soient faits sur des enfants mineurs. Qui ne sont pas conscients. C'est tout. Tout le reste, là, ça ne nous retient à rien. C'est pas maintenant que l'histoire de Ruby ou quoi a commencé. C'est pas maintenant venir dire qu'on va faire quelque chose. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La personne qui veut faire ça, qui ouvre son panel, qui le fasse. Je suis d'accord avec toi, mais je le dis en connaissance de cause. Vous voyez ce monsieur-là, Alain, là. Toutes personnes qui ont témoigné à la première heure, là, ils disent tous qu'ils étaient, il était Ruby d'abord, avant qu'il soit pédo. Donc, c'est pour vous dire que c'est après qu'ils vont changer le cadence. Sinon, toutes les personnes qui connaissent ce monsieur-là, ils l'ont connu. Attends, soldat, j'ai une motion pour toi. Tu sais que les hétéros même peuvent devenir pédos. Il y a des hétéros pédos. Oui. Il y a des femmes pédos. Oui. Il y a des guides religieux pédos.
Oui. Donc là, les pédos, là, c'est partout. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des indiens, des caucasiens, pédos. Tu vois. Donc le reste, non, ce qui nous intéresse au moins, c'est les enfants. C'est ce que nous, on déplace. Voilà, c'est pour ça que nous, on crée notre ras-le-bol. Protection, écoute, soldat, c'est la protection de la petite enfance. C'est la protection des ados que nous menons ici. C'est la lutte, la vraie lutte. Sinon, l'orientation sexuelle, bon, ça, c'est autre chose. Ça, nous, on n'est pas dans ça. Sinon, c'est la protection des mineurs, des ados, et ainsi de suite. Et même des adultes aussi. Parce que d'autres sont violés. Hein. Des adultes qui sont violés de force. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est un peu ça. Sinon, le côté orientation sexuelle, ça, c'est pas, je pense que c'est pas ça le combat de l'influenceur 2.0. Tu sais que même il y a je dis pas ça pour ne pas frustrer. Désolé si je dis ça, les Wubis. Tu sais qu'il y a des Wubis même qui déplorent ce tac-là. Oui, qui sont avec nous pour ce combat aussi, qui sont en train de défendre cette pédocriminalité. Donc, voilà, donc ne mélangeons rien pour le fait. On va se perdre si on fait ça. Sois concentré, mon frère. C'est tout. On va laisser. Jordan, vous êtes là. On va passer la parole à Jordan si il ou elle est là. Jordan. Adama, ok. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, je suis venue donner une précision par rapport à la pédophilie. Je vais vous donner un exemple très clair. Tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Parfois, à l'époque, chez nous, ou je ne sais pas si ça se fait encore, mais je pense pas, quand un papa, à l'époque, quand, par exemple, on mariait des papas à des petites filles de 12 ans, là, ça, c'est de la pédophilie. Ce n'est pas que entre un homme et un petit garçon. La pédophilie n'est pas associée que à un genre. C'est associé à tout le monde. C'est-à-dire, du moment où toi, tu as dépassé la majorité, ça veut dire que même si tu as 18 ans à peine et que tu vas avoir des rapports avec une jeune fille ou un jeune homme de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, encore, entre 18 et 17 ans, encore, ça peut se comprendre. Mais tout en dessous, là, ça devient de la pédophilie. Non, Marie-Adjoie, je te pose une question apparemment. La majorité en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans, non? La majorité en Côte d'Ivoire, apparemment, maintenant, le consentement sexuel est à 18 ans. À 18 ans. Je pense que c'est 18 ans. À 18 ans. 18 ans. Mais donc, dans tous les cas, dans le cas de monsieur Alain, il y a des années où il a approché certains jeunes où la majorité était à 21 ans. Donc, c'est les questions. Il faut vraiment voir. Voilà, c'est ce qui est là le combat difficile. Tu vois, en fonction des années, parce qu'il y en a qui étaient mineurs à l'époque. Donc, pour finir, quand tu prends ton enfant, toi-même ta fille, et tu vas la marier, par exemple, elle a 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, tu vas la marier à quelqu'un même qui a minimum 25 ans, là. Ça s'appelle de la pédophilie. Donc, c'était vraiment pour expliquer. C'est pas un genre, c'est pas un sexe, c'est pas réservé qu'à une personne. Même il y a des femmes qui vont, souvent il y a des jeunes hommes de 15 ans, là. Il y a des tantis qui vous touchent à partir de 20 ans, 21 ans, tu as 15 ans, ça s'appelle aussi de la pédophilie. Ce n'est pas que garçon avec garçon. Voilà. Et en fait, chez les femmes aujourd'hui, on le déplore moins. Enfin, on en parle moins parce que justement, c'est beaucoup justifié par les phénomènes de sugar daddy. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui ont moins de 18 ans qui sont avec des hommes adultes, mais on dirait que c'est leur sugar daddy. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à leur mettre dans la tête que ce n'est pas normal. Si tu es mineur, tu n'as pas à sortir avec quelqu'un qui est 10 fois plus âgé que toi. Ça s'appelle de la pédophilie. Voilà. Dans tous les sens du terme, les enfants. Les jeunes hommes qui écoutent ça, n'écoutez pas. La pédophilie, c'est pas que dans un sexe, n'écoutez pas ça. C'est pas parce qu'un homme vient vers toi, parce que tu as, même une tantie qui vient te toucher et que tu n'as pas envie déjà de un et que tu es plus petit qu'elle, ça s'appelle aussi de la pédophilie. Effectivement. Voilà. Effectivement. Même, écoutez-moi bien, même quand tu es petit, tu es en CM2 et puis il y a quelqu'un qui est en 5e ou bien qui est en 3e qui vient te toucher, ça aussi, ça ne se fait pas. Tu dois toujours te plaindre si mais tu c'est pas clair, d'accord. C'est pour ça qu'il faut passer aussi par la sensibilisation. Donc, c'est pour ça que je suis montée, sensibiliser aussi. Oui, pour ça. Dans les quartiers, les écoles, partout, même les hôpitaux, dans les écoles même, parce que maintenant même on n'apprend rien aux enfants. Je suis désolée de dire, je mettais mes propos, je suis responsable de mes propos. Au lieu de s'asseoir et raconter des histoires passées de 1990, ça sensibiliser les enfants sur ça. Il y a trop de choses, on a trop de laisser aller, surtout en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a trop de laisser aller. Sensibiliser les enfants sur ça. Un homme adulte qui te touche ici, qui te fait ceci, c'est de la pédo, tu dénonces. N'aie pas peur de parler, t'approcher des personnes, des professeurs. Il doit avoir des counselors, des personnes à qui les enfants peuvent s'approcher s'ils ne peuvent pas parler à maman, papa à la maison.
Je m'approche de ma maîtresse ou je m'approche du conseiller pour dire ce qui m'est arrivé. Ça arrive. Il y a des enfants qui ont peur de s'exposer. Ah, maman va me frapper si je lui dis ça. Ou bien papa va me tuer si je dis ça. Mais non. C'est ce qui fait qu'on a tous ces genres de trucs là aujourd'hui. Je suis désolée. Oui, oui, oui. Les parents aussi, ils n'ont pas de responsabilité dedans. C'est la part de responsabilité de tout le monde. Que ce soit au niveau de l'école, à la maison, partout. Tu ne veux pas voir ton enfant venir avec des trucs à la maison, ne même pas questionner, ou bien fouiller même dans son sac ou dans sa chambre. Ah, il est grand aussi, il fait ça, il va se fâcher. Mais je m'en fiche qu'il se fâche. Tant que tu es sur mon toit, tu respectes mes règles. Oh, le grand frère Hassan est là. Bonjour, grand frère. Bonsoir, monsieur Hassan Ayek. Non, je vous écoute. Je suis juste connecté, j'écoute en même temps. Après, si je dois parler, je parle. Ok, grand frère, on est arrivé. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est ce que je disais au fait. Parce que c'est trop de laisser aller. Aujourd'hui, c'est lui. Hier, c'était Cécilia. Aujourd'hui, c'est Alain. Demain, ça sera qui au fait? Ça sera qui au fait? Faut qu'on sensibilise partout. On n'en a pas de responsabilité partout. Que ce soit maman célibataire, papa célibataire, maman, papa en couple. On doit sensibiliser les enfants à tous les points. Tu sors, tu laisses le plus grand à la maison. Il doit être sensibilisé. Comment éduquer ses petits frères qui sont restés avec lui? Il ne serait pas d'aller jouer, sortir, laisser à telle personne. Non, je suis désolée. Chacun doit avoir son. Le week-end, tu es à la maison, c'est vrai qu'on sort dehors, aller chercher l'argent. Mais on est là aussi, on cherche l'argent pour les enfants qui sont à la maison. Tu rentres le samedi, le week-end, prends ton temps, assieds-toi avec tes enfants. Même si ce n'est que 2 minutes, 2 heures, 3 heures, peu importe le temps. Assieds-toi, parle-lui. Amène les enfants vers nous. Amène les enfants à être nos amis. C'est pas parce que l'enfant, quand il me voit, il a peur, il commence à courir dans tous les sens. Mais tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux que s'il te dise que mon professeur m'a touché, il va te dire ça comment? Si ma maîtresse m'a touché, il va te dire ça comment? C'est pour ça qu'il court, il va se cacher dehors. Tu vois un enfant avec tel truc, tu demandes, tu l'approches, tu ne cours pas derrière lui. Non, tu t'approches. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, tu es mon ami, tu es comme ça. Tu lui parles des paroles douces, il va s'ouvrir à toi. La colère ne sera rien. Tu vas faire la colère, c'est pourquoi au fait? Mais l'enfant va avoir peur de toi et je suis désolée. On n'est pas autant d'abla beaucoup. On a révolu, c'était en 21e siècle, dis donc. Sachant qu'on n'a pas de responsabilité partout. À la télé, au lieu de sensibiliser des programmes inutiles qui ne servent à rien, sensibilisons, mettons des programmes qui servent à ça. Si ce n'est pas pour parler de teaser de quelqu'un, c'est quelle personne a fui avec 20 millions de quelqu'un, ou bien peut-être. Non, les enfants souffrent. Les filles comme les petits garçons souffrent. On a les enfants de la rue qui souffrent aussi. Ils sont dehors, ils souffrent, ils sont des cibles, ils sont targetés partout. Ça énerve, c'est énervant. En tant que maman, c'est énervant. En tant que père de famille, mère de famille, c'est énervant. En tant qu'être humain, c'est vexant, c'est énervant. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait? Soyons sérieux, mettons un peu de dans nos vies. La responsabilité vient de tout le monde. Même l'enfant à 2 ans, il comprend. Moi, ma fille, elle a 4 ans, mais il comprend. Je l'appelle, je lui parle comme un adulte. Je lui parle comme si je lui parlais à un adulte. Parlez-le. Montrez-le la part de responsabilité. Montrez-le la part des choses. Désolée si je vais faire fort, mais ça, franchement, ça commence à m'énerver, quoi, cette histoire. Oh, merci, merci Tata pour ce que tu as dit. En tout cas, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Surtout en Afrique, les parents ont tendance à ne pas trop écouter les enfants. Quand tu t'approches de ta maman ou de ton papa, mais c'est grave. Pour lui dire quelque chose mais qui s'est passé dans ta journée, qui t'intrigue un peu, tu dis, ah, si je lui dis, toi, mais tu te poses des questions. Si je lui dis, elle va dire ça, peut-être elle va me frapper. Donc, l'enfant même a peur de s'approcher des parents. Ce que je voulais dire là, c'est d'emmener les parents à être un peu tout passif avec leurs enfants, quoi. Pour ne pas qu'ils se sentent tout comme ils sont seuls et cachés des trucs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dehors et que tout qu'on appelle ça comment même. On n'arrive pas à parler à nos parents et autres. Moi, je prends ma petite histoire comme cela. Moi, quand j'étais en 6e, j'ai fait le lycée Mamie Adjoa de Yamsoukro. C'est un lycée jeune fille. Quand on sort de l'école, là, c'est comme si là, il y a des messieurs qui passent, ils viennent, les filles de terminale, là, les prennent dans les voitures et autres. En 6e, moi, j'avais fait l'internat. 5e, à cause de ma maladie, je suis pas rentrée à l'internat. Donc, il y a des trucs comme qui se passent. Une fois, il y a, un professeur, mon professeur de maths, je tais son nom, il nous approche parce que nous, on a un groupe, là. Il dit, ah, lui, il aime notre mood parce qu'on était les majorettes du lycée. Il dit, il aime notre mood. Et puis quand il te parle un peu de trucs comme cela. Il a eu à faire des avances à une de mes camarades. On n'a pas cru qu'elle est venue nous dire. On dit, non, oh, monsieur peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. On a pris ça à la légère jusqu'à ce que il me fasse à moi-même. Il me fasse à moi-même. Je croyais pas.
J'étais tellement choquée. Arrivée à la maison, je voulais en parler à ma grand-mère. Mais je vivais avec ma grand-mère en ce temps. Mais je me dis que, ah, si je lui dis là, elle va me frapper, elle va dire je mens et autres. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui dis ça. Puisque j'étais à l'école. Et puis, notre éducatrice a arraché mes bouts d'oreilles. Elle dit que c'était pas autorisé. Puis ma grand-mère s'est fâchée, elle est partie là-bas. C'est depuis ce jour-là, elle a commencé à lui dire des trucs que elle ne savait. Même pas auparavant, même quand j'ai eu mes premiers menstrues, excusez-moi pour le thème, je n'avais pas le courage de lui dire. J'étais obligée d'appeler une de mes cousines, c'est elle qui a dit, mais faut lui dire. J'ai dit non, j'ai peur. Elle dit pardon, faut lui dire. J'ai dit non, elle-même elle ne savait même pas quand j'avais eu mes premiers menstrues. Elle savait même pas. C'est 6 mois plus tard, elle a su que ah, j'avais eu ça. Elle dit, mais elle me pose pas des questions parce qu'elle était tellement dure envers moi et au dos, j'avais tellement peur. Donc, c'est comment je veux dire là. Les parents, s'il vous plaît, soyez un peu passifs avec les enfants et autres. Et puis, écoutez-les. J'ai souvent des trucs qui se passent dans le dehors de maintenant qui est tellement dangereux, qui n'arrivent même pas à venir vous dire. C'est ça aujourd'hui qui emmène beaucoup d'enfants à se mettre dans les pratiques qui ne veulent même pas et qui les créent des problèmes plus tard. C'est ce que moi je tenais à dire. Sur ce côté, à les parents, s'il vous plaît, vos enfants là, c'est vous qui les avez mis au monde. N'ayez pas peur, laissez-les se libérer envers vous. Peu importe ce qu'il va venir te dire là. Attrape ton cœur, c'est ton enfant. Tu attrapes ton cœur, ce qu'il va te dire là. Tu l'écoutes. Et puis maintenant, ce que tu as à lui dire, tu lui donnes des conseils et autres. Ne soyez pas dur avec vos enfants, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci ma puce. Merci vraiment. Donc, je disais, bon, c'est bien beau, parfois aussi, comme on disait, les parents, et sur les parents, je vais d'abord rebondir sur les parents. C'est bien beau, parfois, de venir vous asseoir sur des panels, et quand c'est des petits garçons, vous dites, ah, le pauvre, ils sont en train de gâter nos enfants, ah, ceci, ah, cela. Mais quand c'est vous-même qui prenez vos enfants en bas âge, là, pour les donner à des hommes, là, commencez à vous sensibiliser vous-même, parce que ça aussi, c'est de la pédocriminalité. Si vous ne savez pas, je vous le dis. C'est aussi de la pédocriminalité. Et les jeunes d'aujourd'hui, parfois aussi, vous venez dire oui, les parents doivent être proches de vous, certes, mais vous aussi, vous devez écouter les conseils de vos parents. Parce que nous tous, on a été très, très jeunes. Moi, je ne suis pas vieille, je suis encore dans ma jeunesse, mais j'ai toujours écouté mes parents. Même pas par peur, par respect pour mes parents, parce que mon paradis se trouve sous les pieds de mes parents, quoi qu'il arrive. Je ne dis pas que je n'ai pas fait des bêtises, mais il y a des trucs que nos parents nous disent là. On écoute très bien et puis on ne peut pas faire ça. Donc là, quand vos parents vous parlent, asseyez-vous, écoutez, parce que ce n'est pas pour votre parent. Lui, il a déjà fait ça. C'est une phrase qu'on nous répète souvent. Excusez, monsieur Zou, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît. Eux, ils ont déjà fait leur vie. C'est pour votre avenir à vous. Vous comprenez? Quand monsieur Zou, mutez-vous. Je n'arrive pas à vous muter. Mutez-vous. C'est désagréable à la fin. Zoom. Oui, j'essaye. Si tu veux. Non, mettez-vous, c'est tout. Ok, vas-y. Voilà, donc c'est pour dire, c'est bien beau parce qu'on ne peut pas que rejeter la pierre sur les parents, les grands frères, les grandes sœurs. Vous savez, dans la vie, là, vos petits frères, vos enfants, là, il n'y a pas que la parole parce qu'on dit parler avec nos enfants, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant, là, il regarde l'agissement de son parent, il regarde les habitudes de ses parents pour les reproduire. Donc, quand vous faites aussi, vous pouvez faire vos bêtises, mais essayez de vous cacher de vos enfants. Ne les faites pas devant vos enfants. Parce que quand vous prenez l'habitude de le faire devant vos enfants, ça normalise certaines choses. Ça normalise certains aspects de la vie que eux, peut-être, ne le voient pas différents, se disant, eux, ils sont adultes, ils peuvent le faire. Et moi, je suis un enfant. Parce que je trouve que nous, les parents d'aujourd'hui, on s'est beaucoup relâchés sur ce point-là. C'est vrai que tu peux faire quelques fêtes avec tes enfants, mais il y a des attitudes à ne pas avoir quand ton enfant est là. Donc, en tant que grand frère, grande sœur, revenons à nos principes de base. Faisons attention à la génération future parce que c'est eux notre avenir. C'est eux notre véritable avenir. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Oui, effectivement. Vas-y. Voilà, j'ai une anecdote concernant ce que la petite Marine Rojoel a dit. Et puis cet aspect-là, et tout, j'ai une anecdote avec ma Adjoa. Vraiment, une fois, j'étais de passage quelque part et je suis rentré tardivement. Il est 1h du matin, je rentrais dans mon quartier. Et je passais aux abords d'un maquis et j'ai vu un groupe de jeunes, d'enfants, d'adolescentes, filles, en train de flirter avec des messieurs, je vous dis, des messieurs, qui avaient garé des voitures là. Et j'ai appelé une, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as, quel âge? Elle voulait mentir pour dire qu'elle a 18 ans. Je lui ai dit, arrête-moi ça, tu as quel âge? Et finalement, elle m'a dévoilé qu'elle a 14 ans. Je dis bien 14 ans. Quand tu regardes son visage, elle est mineure, elle est bébé. Oh mon Dieu,
J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Je lui ai dit, mais tu habites où? Elle me dit, elle habite en haut. Elle habite en haut. Il dit, où? En haut, là, c'est où? Elle me pointe du doigt comme ça. Il dit, mais tu n'as pas de parents. Tu vis avec tes parents ou bien tu vis avec qui? Elle dit, viens, ses parents. Il dit, mais tes parents font quoi? Ils savent que tu es dans la rue à 7h, à 1h du matin. Elle dit, oui, c'est eux-mêmes qui me disent, m'ont dit de venir dans la rue. Il dit, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai eu mal au cœur. Je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais obligé de prendre ma route pour rentrer chez moi. Et les laisser vraiment avec ces messieurs qui ont garé là, qui tentaient de s'enivrer. Vraiment, ça fait mal au cœur. C'est grave. C'est grave. Et cette histoire, ça date d'au moins 3 ans, hein, de cela, 3 ans en arrière. Donc imagine. Les gens abusent des enfants. Ça fait mal. Franchement, moi, je vous dis que dès la semaine prochaine... Oh, Marie, vas-y, vas-y. Oui, en fait, ce que je voulais dire, le sexe est un sujet tabou en Afrique et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui fait... Parce qu'il y a certains parents qui se disent qu'en parlant de sexe à leur enfant, ça va les pousser dans ce domaine-là, alors que ce n'est pas forcément ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on sensibilise un peu les parents dans ce sens-là, c'est-à-dire essayer de parler à leurs enfants. Il ne faudrait pas que ça reste tabou, tabou, tabou. C'est ce qui fait que les enfants ont peur d'aller vers leurs parents pour parler de certaines choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire un peu. Merci. Je pense que dès la semaine prochaine, je vais faire un panel. Il y aura des panels, je n'ai pas encore décidé de quand, mais il y aura des panels où il faut qu'on vienne parler. Que ce soit papa, maman, célibataire, parents en couple, faut qu'on vienne. Parce que franchement, l'heure est grave. Hein. C'est vrai que ça ne va pas changer les choses, mais à tout moment, si on essaye de sensibiliser, ça sera quelque chose. Je n'ai pas encore décidé du jour, mais il faut qu'on soit là aussi pour donner de la force. C'est vrai qu'on mène la bataille, mais on essaye aussi de sensibiliser. Et ça va porter sur la relation entre les parents et enfants. Comment se comporter? Parce qu'il y a d'autres, il y a même des jeunes parents qui sont là, qui ne savent pas comment, les mamans célibataires qui viennent d'entrer dans le monde des mamans, qui ne savent même pas comment quoi faire. Ça ne va pas peut-être changer grand-chose, mais à least, c'est mieux que de ne même pas en parler aussi. Ça, c'est une autre chose. Donc, oui, oui, effectivement. Effectivement. Ouais, le fait de ne pas en parler, c'est comme si nous étions complices. C'est comme cautionner la bêtise. Voilà, ouais, effectivement, nous étions complices. Voilà. Donc, c'est important d'en parler. Donc, je vais décider d'un jour, vu qu'avec le boulot aussi, même on doit faire le week-end, 1 à 2 heures ou bien 3 heures même de panel. Tout le monde est invité, hein, tout le monde peut venir. On va rire, rigoler, mais ensuite on va causer, essayer de sensibiliser. Surtout nos jeunes frères qui sont dehors, nous qui sommes mamans, ou les jeunes mamans et tout ça. On a des papas même qui se retrouvent à élever des enfants aussi, ils ne savent pas comment faire. Lui, il est toujours dehors en train de chercher l'argent, mais les enfants sont là, ils ne savent pas comment faire, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, il faut que nous tous, on apporte un peu de notre grain. Il faut que tout le monde apporte un peu dedans. C'est vrai, l'influenceur, les Glagla, et la Aya Robert, tout le monde mène la bataille. Nous aussi, on amène aussi notre petite graine à l'édifice. Donc, ça serait un truc comme ça. Donc, venez, on va s'amuser, on va causer, on va parler. Parce que franchement, c'est choquant. Moi, je voulais rajouter quelque chose, s'il vous plaît. Je voulais merci pour tous vos conseils. Je peux? Oui, je voulais merci pour tous vos conseils. C'est tellement gentil. C'est tellement gentil de votre part. Et on vous remercie gravement. Merci beaucoup. Et puis moi, je voulais m'adresser à mes camarades, à mes grands frères, à mes grandes soeurs, à mes petites soeurs aussi. Dans la vie, là, tu peux pas avoir 15 ans et puis avoir quelque chose. Comment dirais-je même? Excusez-moi. Tu ne peux pas avoir ce qu'une personne de 25 ans a. Tu ne peux pas avoir 15 ans et tu vas avoir ce qu'une personne de 25 ans a. Ce n'est pas normal. Ton âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, là, c'est d'aller à l'école. Écouter tes parents, rester sage. Le jour que tu vas avoir 25 ans comme la personne là, tu pourras avoir ce que la personne a. Ne cherche pas à avoir ce que la personne a. Pour ça que toi-même, tu as 15 ans. Ce n'est pas normal. C'est ce qui fait...
Et puis beaucoup de jeunes aujourd'hui se mettent à la facilité. Parce que quand toi tu dis que tu es envieux, tu vas avoir ce que la personne a. Exemple, tu as vu ça à la télé. Tu dis, ah bon, je veux forcément avoir ça. Tu sais que tes parents n'ont pas les moyens de t'offrir ce que tu veux. Tu seras obligé de partir sur des bases qui ne sont pas bonnes pour toi. Sachant que ceux qui te proposent de l'argent pour faire quelque chose, on retourne avec eux là. Si on ne sait pas, c'est de l'abus. Parce qu'ils se servent de la naïveté des enfants pour abuser d'eux. C'est ce qu'on ne comprend pas. Chez toi, tu crois que ah, c'est ton gars, c'est ton sugar daddy ou bien quoi là. C'est de l'abus. Parce qu'ils savent que tu as besoin de quelque chose. Et en retour, toi, tu vas lui donner quelque chose. C'est de l'abus. Il utilise la naïveté pour abuser de toi. Donc arrêtons l'envie là. L'envie là, arrêtons. C'est un mauvais comportement. Un mauvais comportement. En tout cas, si tu pries là, tu pries, tu dis à Dieu qu'il faut jamais, il va, en tout cas, tu vas t'emmener dans ce sale comportement. Parce que l'envie, quand tu es envieux ou bien envieuse, ça t'emmène à faire des choses que toi-même, quand tu réfléchis, tu dis, ah, est-ce que c'est moi, j'ai fait ça? Parce que tu vas avoir ce qui la personne a, alors que tu n'as pas l'âge de ça, ou bien, ce n'est pas à ton niveau. C'est même pas du tout bon. C'est même pas du tout bon. Quand tu as 16 ans, là, c'est d'aller à l'école, 17 ans, aller à l'école, écouter les parents, rester à la maison. Je sais que, ah, les petits moyens que les parents ont pour t'offrir quelque chose, là, tu prends comme cela. Tu sais pas c'est quoi Dieu te réserve devant. Tu sais pas c'est quoi ton avenir. Donc, on n'a qu'à rester tranquille, s'il vous plaît. Bien sûr, les parents ne nous écoutent pas, mais nous aussi, on est dedans. On est dedans. On est dedans. Souvent, les parents vont te parler. C'est pas tous les parents qui n'écoutent pas. Souvent, il y a des parents qui te parlent, qui te donnent tout ce que tu veux. Mais toi, à cause de ton oreille dure, tu n'écoutes pas. Tu veux forcément le luxe. Tu veux tout ce qui est bling bling. Alors que tout ce qui est bling bling n'est pas de l'or. Tu sais pas c'est quoi qui est dedans. Tu comprends? C'est pourquoi d'autres parents se fâchent et puis mettent leurs enfants dehors, sachant qu'ils sont mineurs. Parce qu'ils ne peuvent pas croire que, ah, moi, je t'ai mis au monde. Malgré mes maigres moyens et autres là, j'arrive à te nourrir. Peu importe ce que j'ai, j'arrive à te nourrir. Tu ne manques de rien. Le peu que j'ai là, je prends pour subvenir à tes besoins. Mais toi, tu veux forcément avoir ce que les autres ont, villa. Sachant qu'on est en train de coucher, tu veux partir habiter dans villa. Les parents ne peuvent pas faire ce qui est au-delà de leurs moyens. C'est à cause de ça, souvent, là, les parents mettent des enfants dehors. Parce que tu ne m'écoutes pas. Bien sûr, de mettre dehors, ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. S'il vous plaît, on n'a qu'à écouter nos parents. Écoutons nos parents. Comme Tata Adjoa vient de le dire, là, les parents, là, ce sont les dieux sur terre. Ce sont nos dieux sur terre. Tout ce qu'ils disent à pardonner, écoutons-les. Le jour que tu vas avoir tes 30 ans, tu as ton argent, tu travailles, tu as fini tes études, tu es bien placé. C'est quoi toi, tu vas vouloir manger, c'est quoi tu vas vouloir acheter, c'est quel téléphone tu vas vouloir acheter, et puis tu vas pas avoir. Tout ce que tu vois là, toi même quand tu as ton propre argent, et puis tu manges, c'est plus chic que quand quelqu'un va te donner l'argent, ça finit vite. Mais tu sais que c'est pas toi qui travailles pour avoir. La personne va te donner, tu vas bouffer, fin, c'est fini. Mais quand tu as ton propre argent, et puis tu bouffes, tes parents sont fiers, tu fais des points à tes parents, ils sont fiers de toi, et c'est ma fille, et puis les bénédictions. Rien ne va manquer dans ta maison. Tu seras toujours béni parce que les parents sont fiers de toi. Donc, s'il vous plaît, écoutons les parents. Quand les parents nous parlent, c'est pas parce qu'ils nous veulent pas du bien. Ils nous veulent pas du bien. Aujourd'hui, là, on est petit. Tout ce qui se passe, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous, en 2030, là? En 2030, il y a plus de trucs qui vont arriver, plus jolis qu'aujourd'hui. Quand tu auras ton argent, tu vas acheter. Puis, tu as toi-même ta soeur, tu as dit, ah! Ah, c'est qu'il cherchait derrière là-bas. Là. Si c'est aujourd'hui, c'est devant moi. Moi-même, je me fatiguais. Pourquoi? Donc, s'il vous plaît, écoutons les parents. Puis, soyons patients. Voilà, la patience, ça, c'est un chemin d'or. La patience. Ne soyons pas pressés. Tout ce que tu vois sur les réseaux, là, c'est un rêve vendu. Hein. Les réseaux sociaux, là, ils nous vendent du rêve. Ils nous vendent du rêve. Quand toi-même, tu as regardé les vies réelles, là, même, ça ne ressemble à rien. Toi-même, tu as dit, ah, mais moi, je suis mieux puisque lui, là, il me fatiguait. Pourquoi? Donc, s'il vous plaît, il n'y a pas contre la parole. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Je me mute pour le moment. Merci, Marie. Je ne demande même pas parole tellement tu m'as fait du bien. Ta grand-mère, elle est encore vivante? Oui, elle est encore vivante. Il faut la remercier. Tu as dit qu'elle est sévère, mais c'est dans l'éducation sévère là, qui te fait parler comme ça. Ça, là, il faut remercier la grand-mère. Moi-même, j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. Mais c'est même éducation sévère là, qui a fait qu'aujourd'hui, quand il y a les affaires comme ça, je peux même parler. Et moi, je prends toujours le côté éducation. Les parents doivent éduquer. La grand-mère, tout ce qu'elle t'a donné là, c'est ça que tu es en train d'exprimer comme ça. Ah oui, on les trouve durs, hein? On les trouve sévères, on les trouve durs, mais ça sauve. Tu as vu comment tu parles?
ça fait tellement du bien. Et vraiment, que Dieu vraiment nous aide, nous les mamans, que demain nos enfants aussi, vraiment, même si c'est pas pour prendre parole sur panel, nos enfants aussi parlent peut-être en dehors de panel comme toi. Parce que l'éducation de la grand-mère, là, c'est ça qui t'amène à parler comme ça. Vraiment, que Dieu bénisse ta grand-mère, que toi-même, vraiment, tu gardes ces valeurs-là pour tes enfants et même tes petits-enfants. Amen, amen, maman. Vraiment, merci beaucoup, vraiment, tu as bien parlé, ma fille, merci beaucoup. Mais aussi, il faut dire que lorsque, effectivement, je vais réjaillir sur cet aspect et qu'on n'ignore pas, lorsqu'on parle aussi au chien, il faut parler aussi à l'os. C'est-à-dire qu'on dit, avec les réseaux sociaux, nos influenceurs en griffe, hein, nos influenceurs en griffe, il faudrait qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Ceux qui cherchent à vendre du rêve, pardonnez, Yaki, Sciencé, comprenez que nous sommes à un point très, très, très délicat. Où la génération est un peu perdue, les nouvelles générations sont un peu perdues. Donc, vous, les influenceurs... Moi, je veux pas te couper, mais je veux prendre une motion, s'il te plaît, pour quelques minutes. Okay, moi, je pense que maintenant, on doit décréter une loi qui dit que chaque influenceur qui vient montrer que des bêtises à la télé qui ne sert à rien, que d'influencer négativement et non du côté positif, là, on doit les bannir au fait, quoi. Ça doit même pas passer à la télé. Pour moi, parce que c'est tout ça qui a enchaîné ce bordel, là, au fait. Oui, oui, tu effectivement, vois. C'est tout. Donc, c'est tout ça. Mais il faut une loi. Et une loi, c'est à l'Assemblée nationale. Bon, ça, je ne sais pas, ça sera pour aujourd'hui ou pour 2030. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est que leur demander pardon, qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin. Si tu as tes milliards, si tu as ta fortune, ce n'est pas le fait de venir t'exposer, venir exposer ça aux yeux des gens, pour rendre les gens jaloux, pour rendre les gens vieux. Pardon, garde ça en toi et dans ta maison. C'est ce qu'on peut leur dire. On leur demande pardon. Si tu as payé ta nouvelle voiture, garde ça, c'est pour toi et ta famille. Tu n'as pas besoin de venir t'exposer. Sinon, il y a des esprits très faibles. Comme Marie, la petite, a dit, il y a des esprits très faibles. C'est pas tout le monde qui a ses valeurs, effectivement. Il n'y a pas tout le monde qui a ses valeurs, mais des esprits très faibles qui peuvent facilement être envieux. Donc, il faut vraiment protéger donc, les influenceurs en griffe. Pour l'instant, il n'y a pas de loi qui peut les condamner. Donc, les influenceurs en griffe, mettez un peu de nouveau vin. Vous n'êtes pas obligé de vous exposer, de venir mentir, de venir vendre du rêve. Or, vous avez des problèmes, de nombreux problèmes. C'est pas la peine. Voilà. Parce que ça influence négativement nos enfants. Ça influence négativement nos enfants parce que tout le monde aujourd'hui... Tu as déjà vu un milliardaire s'exposer. Si ce n'est pas voilà. Les crèves l'affaire seulement, c'est seulement voilà. Que les pauvres lots qui s'exposent. C'est ça. Voilà. Le vrai mal même vient de là aussi, les réseaux sociaux. À la fois, ça nous fait du bien parce qu'on peut dénoncer, mais à la fois aussi, c'est un couteau à double tranchant. Ça nous fait aussi du mal. Donc vraiment, les autres influenceurs, pardonnez, on a besoin vraiment, soyez aussi des éducateurs. Si comme vous êtes sur les réseaux sociaux, soyez ayez un esprit éducatif. Voilà, pour venir éduquer, pas pour venir créer l'immoralité. Voilà, vraiment, c'est un peu mon cri de cœur aux influenceurs. Tu sais, non, je te dis, donne-moi un exemple d'un influenceur qui a une fois porté des chaussures, c'est-à-dire des bottes, être en train de travailler dans un champ pour motiver la jeunesse à dire que aucun, l'argent, là, ce n'est pas seulement dans le bureau. Sauf Sénic Rama, qui au moins qui fait quelque chose de bien. Merci. Mais si tu ne les vois pas en train de manger de la viande en or, ou bien payer voilà. Des sacs en emploi fini, ou bien des trucs, tu as vu qu'un influenceur fait ça. Il y a une influenceuse seulement que moi je respecte aujourd'hui, qui est la Libanaise, là, j'ai oublié son nom. Zena Kalista. Elle au moins, je la respecte. Elle prône des valeurs de famille. Elle me plaît bien, elle prône des valeurs de famille. Voilà. Voici des trucs qu'il faut faire. Voilà, mais venez partir dans notre coin, manger viande en or, manger or, c'est parce que vous reflétez, c'est parce qu'il y a la réalité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Ceux qui m'écoutent, pourquoi? C'est une sorcellerie qui ne dit pas son nom, à la vérité. Franchement, il faudrait que nos influenceurs, quand on parle à l'os, il faut parler au chien, il faut parler aussi à l'os. Il faudrait que nos influenceurs soient, nous rejoignent dans cette bataille pour aussi vraiment pour éduquer nos enfants. Voilà, parce que aujourd'hui, certes, les parents ne peuvent pas tout faire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont exposés à tout. De un, lorsqu'ils sortent de la maison pour aller à l'école, cheminement, lorsque de l'école à la maison, vice-versa, il y a tellement de choses. Aussi, en plus de ça, les réseaux sociaux. Donc, si vous venez en rajouter pour pouvoir les déstabiliser psychologiquement, mentalement, mais à ce rythme-là, ça sera compliqué. On aurait une société de chaos. On aurait une société de chaos où c'est le fainéantisme, où c'est la prostitution, où c'est la pédocriminalité, où c'est toutes sortes de vices, où c'est la drogue. On avait parlé de trucs qu'on appelle des carafientins, où c'est tout ce qui est négatif qui sera vraiment pris comme un cocktail pour servir à notre jeunesse. Et c'est pas bon. Donc les influenceurs, on veut des programmes ou bien des émissions de sensibilisation,
de créativité. C'est important ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons plus les influenceurs qui vont venir burner nos enfants avec les sacs soi-disant de millions, avec des chaussures soi-disant de millions, avec quoi que ce soit. Non, nous voulons des influenceurs qui vont moraliser, qui vont s'insérer dans la grande moralisation juvénile, dans la grande moralisation de la société ivoirienne. C'est ce que nous voulons. Voilà, merci beaucoup. Pour l'instant, je vais chuter sur ça un peu. Merci Bonjour. Beaucoup. Merci vraiment. Aïssatou, vas-y. Bonjour, Tata King. Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi, ma belle? Vas-y, tu as la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais me rejoindre à Marie-Joël et M. Zeus qui ont parlé tout à l'heure concernant l'éducation. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, dans ce monde, si on n'a pas une base pour tout ce qu'on a envie de faire, c'est raté d'avance. C'est-à-dire même dans le domaine des études et dans le milieu professionnel, si tu n'as pas une base, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas cacher tes lacunes ou bien tu vas tricher, voilà. Et ça sera même un fardeau pour toi. Donc, c'est pour dire que